Et bonjour tout le monde, bienvenue à Saint-Étienne, bienvenue sur le Twitch de France Rugby, le Twitch de la Fédération Française de Rugby. Ça démarre super bien. Il fait très chaud, mais ça on va vous en parler. Mais c'est vraiment un super rendez-vous. En attendant le 15, comme son nom l'indique, eh bien, on va attendre le match de l'équipe de France ce soir à 21h05 sur TF1. Et je suis accompagné cette fois non pas de mon ami Rivenzi qui est en vacances, que j'embrasse, mais d'une autre personne qui j'espère deviendra mon ami, Inès Irigoyen, journaliste sur TF1 et qui va suivre, qui a déjà suivi le 15 de France. Ouais. Donc t'as sans doute un petit peu voilà, des infos. Deux, trois trucs. Deux, trois on infos. On pourra en voilà. discuter après, ouais. Et puis on va te retrouver sur tout le dispositif de TF1 sur la Coupe du Monde. Donc en gros, concrètement, on va te voir à la télé à quel moment? Ouais, alors à quel moment? Déjà, bonjour à vous tous. À quel moment ça sera surtout sur les matchs où vraiment, entre guillemets, je serai sur les questions sur les fins de match. Donc vous retrouverez les réactions des joueurs. Et puis surtout, ça va être du travail de reportage puisqu'on va vous proposer un 52 minutes avec TF1. La veille du France-Nouvelle-Zélande à 22h sur TF1, donc qui va retracer toute la préparation de l'équipe de France, donc depuis Monaco, depuis le 2 juillet, premier rassemblement, jusqu'à vraiment le dernier moment où les Français iront à Rueil-Malmaison, c'est là où ils auront leur camp de base. Okay. Et voilà, et proposer des sujets donc sur les mags aussi qui seront diffusés sur TF1, présentés par Isabelle Iturburu. Et là, ça va être des mags sur la semaine, donc ça peut être des portraits de joueurs, ça peut être revenir sur un beau geste qui a été fait sur un match. Donc voilà, okay. C'est vraiment vous faire vivre en inside, en immersion, tout ce à quoi vous n'avez pas forcément accès, bah, nous avec TF1 on essaye de vous y amener. C'est la partie inside de cette Coupe du Monde. C'est ça. Bon bah c'est franchement stylé. Et, bah, moi je suis très content de bosser avec toi sur ce plaisir sur ce projet. Partagé. Ça fait plaisir. Donc nous on va se retrouver du coup à chaque fois, à chaque avant-match, des matchs de préparation de la Coupe du Monde, à savoir ici France-Écosse, le retour à Saint-Etienne. Le week-end prochain, ce sera France-Fidji et on attend, enfin moi personnellement j'attends énormément ce match parce que de l'air Galtier, il manque cette grosse équipe qu'on n'a pas encore affronté, ce sera donc à Nantes et puis on terminera le 27 août au Stade de France. Et mon petit doigt me dit, contre l'Australie, et mon petit doigt me dit, voilà, mon petit doigt me dit qu'il y a peut-être des places à faire gagner, voilà, dans l'émission pour assister au match France-Australie. Voilà, peut-être qu'on va vous faire gagner des places. Alors soyez vraiment connectés tout au long du live puisque bah quand je dis peut-être, il y aura. Voilà, concrètement, il y aura et ça sera sans doute une petite question un petit peu fourbe. Peut-être qu'on fera gagner d'autres trucs, comme par exemple le maillot de l'équipe de France. C'est ça. Voilà, le maillot de l'équipe de France de la Coupe du Monde. Donc ça va faire plaisir. Et puis ces petites écharpes-là qui sont présentes, France-Écosse. Est-ce qu'on va les faire gagner aussi? Bien sûr que oui, parce que je vais pas vous mentir. Moi, la Fédé, ils sont venus me chercher. Moi, pour ceux qui me connaissent pas, Emeric, enchanté. Poney Club sur Twitch, j'ai une émission de rugby, on vit les émotions du rugby aussi sur Twitch. Et quand la Fédé me contacte, je dis bon d'accord, mais c'est un grand honneur, ça me fait plaisir. J'ai essayé de gratter 2-3 trucs, tu vois. Je suis un gratteur. J'ai un peu gratté quand même 2-3 trucs et c'est pas terminé parce que j'ai une petite idée, on offre le maillot. Il y a peut-être des trucs à aller gratter. On verra ça, ce sera plutôt vers la fin de l'émission. T'es un peu un Père Noël en fait, Emeric. J'essaye à un moment donné de récompenser, tu sais, le fameux « si on est là, c'est grâce à vous » et on essaie de vous le rendre. C'est bon, non? C'est très très bien. C'est bien. Au sommaire de l'émission, du coup, on va revenir sur la préparation de l'équipe de France puisque bah, ça y est, on vous retrouve pour cette Coupe du Monde sur la chaîne France Rugby. Donc il faut revenir sur la préparation Monaco qui a été très dur. Ensuite il y a eu un petit passage par Marcoussi et puis un retour à Cap-Breton. Et là bon là on aura des infos, j'espère qu'elle va nous lâcher quand même 2-3 trucs. Hein. Parce que non ouais. Je dis rien, ce sera dans mon 52 minutes. On verra ce qu'on peut révéler ou pas, mais en effet il y aura plein de choses dans le 52 minutes, ça c'est sûr. Non mais ça va être quand même intéressant. Alors on va revenir sur ce qui s'est passé si vous n'avez pas suivi, si vous êtes en vacances peut-être, si vous êtes en sortie de boulot. Eh bien on va vous expliquer un peu ce qui s'est passé ce mois de juillet, ce mois d'août de l'équipe de France. Et là on rentre dans les matchs. Moi je suis dans une excitation de Coupe du Monde. Ça se voit pas. Bon, j'ai chaud déjà, mais alors je suis dans une excitation de Coupe du Monde. Ça va être grandiose. Puisque ensuite on va revenir sur le match en Écosse de la semaine dernière, donc la défaite de l'équipe de France, qu'on a surpris quelques-uns. Je sais pas si toi t'as été surprise.
Sur le match en lui-même? Ouais, sur le fait que l'équipe de France perde, ça faisait quand même un petit moment qu'on n'avait pas perdu. Ouais, certes, après il faut reprendre un peu le contexte aussi avec cette composition. Moi, la défaite ne m'a pas forcément étonnée. Enfin, il faut quand même remettre un peu les choses aussi dans leur contexte. On le voyait avec la composition, on se doutait que ça pouvait être dur de tenir en effet les 80 minutes réellement physiquement. Mmh. Surtout que c'était leur premier match après leur fin de saison. Donc sur ça, pas tant étonné. En revanche, de tenir la baraque comme ils l'ont fait sur 40 minutes et de prouver certaines choses, ouais, plus sur ce côté-là, étonné, ouais. Donc ça reviendra, on va revenir un petit peu plus en détail dessus et on terminera sur la composition du jour et puis le match qui nous intéresse, le match à 21h05 à Saint-Etienne qui sera diffusé sur TF1. Donc voilà, peut-être que vous êtes en train d'arriver dans le stade, on vous a le chat à côté de nous. Je vois qu'il y a énormément de petits... C'est quoi ça? C'est des poulets? Il y a des poulets? Il y a des emotes incroyables. Ça a bossé, hein, bravo Clovis, hein. Les maillots floqués avec le nom, pourquoi? C'est-à-dire, Nibua? C'est-à-dire? Ça doit être sur certaines équipes. Ouais. Il me semble que c'est l'Écosse hein, qui a les noms floqués. C'est sûr que ça fait moins rugby. Elle est très bien, mais vraiment, elle me donne... Show. Une... Elle te va bien. Hein. Ah, c'est sympa, mais je vais quand même l'enlever. ouais, l'Écosse là, les Anglais l'ont. Ouais. Ouais. Après, c'est des philosophies. Moi, j'avoue que je suis assez à l'ancienne là-dessus. J'aime bien dire que le maillot t'appartient pas. Et donc ça me gêne d'apposer un nom dessus. Tu veux dire. Mais pour ouvrir quand même, avoir le nom des joueurs, ça peut être pratique pour des gens qui regardent le rugby un peu moins souvent. Ouais, et puis c'est différent. Moi j'avoue que j'ai pas trop de débat, enfin j'ai pas trop de positionnement là-dessus, ça ne me gêne pas. Et en même temps, ouais, je trouve que c'est pas non plus l'idéal d'avoir les noms floqués dessus. Mais en effet, peut-être sur un côté grand public, les gens qui connaissent pas que vraiment le numéro est équivalent à un poste bien précis et que ça a vraiment une signification en lui-même, comme tu dis. Ouais, peut-être que ça peut ouvrir en effet sur les gens qui connaissent pas à reconnaître en effet vis-à-vis autre que du numéro, quoi. En tout cas, là, les Français vont jouer... avec leur maillot de l'année, ils vont pas jouer encore avec leur maillot Coupe du Monde. Non, hein. Le maillot Coupe du Monde arrivera pour la Coupe du Monde. Ils n'ont pas le droit carrément. Genre, Gatti l'a dit s'il vous plaît, on a dit non. Ah ben c'est prévu, c'est vraiment. C'est vraiment pour la Coupe du Monde. C'est normal. C'est tout à fait normal. Alors, bon voilà, je crois que je vous ai dit à peu près à quelle sauce vous allez être mangé. On aura une invitée. T'as calé une invitée. Oui. Mais tu m'as dit avant l'émission. Alors sur les horaires. Parce que c'est une invitée, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est pas pour casser du sucre sur son dos, loin de là, parce que c'est une très grande invitée, ça on peut le dire. Et qui dit grande invitée dit forcément qu'elle est ultra demandée. Donc elle a bien voulu, en plus de ce qu'elle est prévue, de ce qu'elle a prévu elle de faire aujourd'hui, elle a décidé de nous accorder du temps. Donc c'est pour ça. On ne dit pas encore qui c'est. On ne dit pas, mais vous réfléchissez à une grande joueuse internationale française. Très très grande joueuse. Voilà. Voilà, en sachant qu'on est à Saint-Etienne. Icône. Saint-Etienne, c'est pas trop loin. Voilà. Après, bon, dites-nous si jamais hein, vous avez des petites idées, on verra. Bon, tu fais gagner quelque chose ou allez, pas si quelqu'un... Franchement, qui trouve. Allez, il y a une écharpe qui part. Qui trouve dans le chat. Allez, le premier qui trouve dans le chat, il y a une écharpe qui part. Ça part. Allez, c'est bon. De toute manière, c'est pas moi qui. J'aime beaucoup la vanne Stéphanie de Monaco. D'ailleurs, Aymeric, je pense que tu peux chanter. La chanson non, de Stéphanie. Non, comme un ouragan, tout ça. Non, je vais pas faire ça. Ah, oh, là, c'est trouvé, Jessie Trémoulia. Direct, on a dit Laure Sensus, Trémoulia, Gabi Vernier. Que des très grandes joueuses. Ouais. Ah, mais en effet, Saint-Etienne, on le dit, hein, c'est Jessie Trémoulia qui joue à l'ASM Romagna. Elle est pas très loin de Saint-Etienne. Donc voilà, on aura la chance, l'honneur et le privilège de la voir. Donc, peut-être, du coup. On aura l'honneur, la chance et le privilège, on l'aura. C'est Inès qui l'a calé. Je m'y engage. Eh si, engage. Non, mais en vrai, bon, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Alors, la suite, on voulait noter un truc, on avait noté un truc. Oui. Le plaisir de retourner, du coup, de ramener les Bleus en région, qui est assez propre, finalement, aux 15 féminins. Ouais, les féminines jouent très rarement au stade de bêtises, mais en général elles jouent à Jean Bouin, elles ont joué au stade Charletier aussi, mais ça fait vraiment plusieurs années, sur ces 4 dernières années après Covid elles sont pas retournées à Paris. Elles ont cette culture là justement de bouger un peu partout en France, ça fait partie aussi de leur philosophie entre guillemets, de leur état d'esprit, d'aller au contact vraiment du public. Ça fait, si je dis pas de bêtises, maintenant 2 ans depuis la tournée d'automne où elles avaient rencontré les Blacks et les Sud-Africaines, où elles font les matchs à guichet fermé. Ouais. Donc c'est génial parce qu'on se rencontre réellement, elles ont un vrai public à la différence de d'autres nations, on va dire européennes, françaises, européennes, pardon, ouais. De rugby, qui
ont encore un petit peu de mal à mobiliser. Elles avaient battu le record d'affluence de matchs féminins cette année dans le tournoi destination à Grenoble. C'était plus de 17 000 personnes. Stade des Alpes. Ouais, Stade des Alpes face au Pays de Galles. Et ça a été forcément pulvérisé lors du. Les joueurs à Vannes aussi, c'était incroyable. Ouais, c'est ça. Et elles ont le record a été pulvérisé à Twickenham cette année, le Angleterre-France. Plus de 58 000 personnes, il faut quand même le préciser, c'est dinguissime. Et sur un match, si vous avez raté ce match du Six Nations France-Angleterre, Angleterre-France, il a à revoir. Alors, il est un peu douloureux. Il fait mal, sincèrement, mais il fait mal. Quel match de malade. Ouais. Enfin bon, c'était incroyable. Et donc, du coup, là, l'équipe de France revient en région après, je crois que ça faisait un an, du coup, pour la tournée de novembre dernière. Ouais, c'est ça, c'est les tournées en général qui sont faites en région. Toulouse avait reçu le Japon. On avait eu Marseille, l'Afrique du Sud. Ouais. Marseille d'ailleurs qui est maintenant un des stades de région qui réellement suscite un énorme engouement. Bon, on sait le Vélodrome. Vélodrome, je suis désolé, c'est un stade merveilleux. D'ailleurs, dites-moi dans le chat si Marseille a gagné. Parce que moi, au moment où je me suis arrêté, on était, il restait 2-3 minutes. Voilà. Enfin, faites comme vous voulez, mais bon, on n'est pas obligé. Mais c'est vrai que ça fait partie de ces gros stades, en plus stade de foot, qui malgré tout cristallise une énorme ambiance pour le rugby. Donc l'équipe de France masculine, elle y va très souvent. Et c'est assez intéressant de voir. Ô combien dans des villes comme ici à Saint-Etienne, ce soir d'ailleurs c'est guichet fermé, Nantes, on est guichet sur une fermé. Terre foot, Nantes pareil, terre foot, et sincèrement ça fait vraiment du bien de voir que le public il se déplace pas non plus qu'au Stade de France. Mais en fait ce que moi je mettrais même le prisme inverse, ça fait du bien de voir que cette équipe de France, très clairement, à l'approche d'une Coupe du Monde, c'est l'équipe de la France, tu vois, et c'est vraiment un truc qui me fait plaisir, et je me dis surtout qu'en plus en match de poule, il n'y a qu'un seul match de poule qui est au Stade de France. Ouais, le premier. Donc ça fait plaisir, tu vois. Donc c'est vraiment pour mobiliser tout le monde. Et je pense qu'ils sentent l'engouement. Vraiment, les Bleus, tu me diras un peu, toi qui as été du coup avec eux. Ouais. Mais je pense qu'ils sentent l'engouement. Ouais. Et là, ce soir, ils vont les retrouver. Surtout que c'est l'équipe des titulaires, des tauliers. Je ne vais pas dire le mot qui m'insupporte. Donc je vais dire juste taulier, moi, perso. Tu ne veux pas dire premium? Moi, je le laisse pour un forfait téléphonique, ça, tu vois. Pour le rugby, je comprends pas trop l'idée, mais... Parce que si jamais vous n'avez pas suivi, c'est le nom, entre guillemets, qu'on donne à tous les cadres, tous les titulaires qui sont sur la feuille de match depuis plusieurs années maintenant, les Antoine Dupont, Romain Tamac, Cyril Bail et autres. C'est un peu ce qu'on a entendu dans les papiers qu'on a lus, les papiers journaux. Je crois que c'est Servat qui avait sorti la première fois le terme, comme quoi, pour le Six Nations et la tournée de novembre, ils mettaient une équipe type de taulier, une équipe avec laquelle ils travaillaient. Et ensuite, plutôt en juillet, ils allaient tester des joueurs, l'équipe un peu c'est développement, ça. Sans que ce soit péjoratif. C'est normal, ils ont testé plus de 150 joueurs. C'est ça. Bon, c'est normal, tu vois. Ouais. Donc voilà, et donc ça fait plaisir. Donc je pense que ce soir, ça va être assez grandiose. Et donc la stat, vous l'avez vu passer, l'équipe de France, sur les 5 derniers matchs hors du Stade de France, c'est 5 victoires. Donc ce soir... On ne s'avance pas. Les stats sont là. À un moment donné, et Dieu sait que j'aime l'Écosse, c'est pas un problème. Flower of Scotland, c'est tout là-haut. Mais à un moment donné, est-ce qu'on remettrait pas l'église au centre du village ce soir quand même? Un petit peu. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose à aller chercher. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Est-ce que ce soir, la France gagne ou c'est pas grave, vous voulez voir l'équipe travailler? Milford Lang, lui, il pense qu'on va le faire. Hein. Vous dites quoi? Allez, les Bleus. Oh là là, je vois énormément de... Est-ce qu'il y a un chat premium? Je sais pas, les gars, mais vraiment, oui, on gagne. Suso Scottish, let's go. Travail. Ah, il y en a qui disent travail quand même. Les deux. Attends, je peux m'arrêter là? J'ai juste vu une petite info. Ton joueur préféré sur le terrain, c'est Finn Russell? J'aime beaucoup Finn Russell. Je savais pas, donc en effet, merci de l'avoir précisé, puisque je savais pas. J'aime on se connaît pas encore assez pour se dire nos joueurs préférés. C'est vrai. Je dirais pas ce que t'as dit sur Clermont, et tu dis. Non, parce que j'ai rien dit sur Clermont. Non, elle a rien dit sur Clermont. Calmons-nous. j'adore Finn Russell. Attends, Finn Russell, c'est un magicien du rugby. C'est une clé d'information, vraiment. Écoute, il y a plusieurs joueurs que j'aime bien en Écosse. Darcy Graham, je l'aime beaucoup. Il nous a fait un petit peu mal la semaine dernière. Oui. Finn Russell, je l'aime beaucoup. Bon, ici, il peut se calmer, voilà. Mais je compte sur l'Écosse, moi, en Coupe du Monde. Mais on va y revenir, Super. Est-ce qu'on peut parler, du coup, maintenant, de cette équipe de France et de la préparation à la Coupe du Monde? Ça a démarré à Monaco. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à Monaco? Alors, à Monaco, c'est une préparation un petit peu particulière parce que, donc pour vous dire, pendant 4 ans, vraiment, le 15 de France a travaillé sur 4 années. Donc, c'est-à-dire que dès que le mandat de Fabien Galthié a commencé, il se projetait déjà sur la Coupe du Monde. Chaque fois que l'équipe de France se rassemble, c'est pour les tournées d'été, d'automne ou alors les tournois destination. Il n'y a pas beaucoup de temps, en général, de préparation en amont. Ce qui se passe, en général, c'est qu'ils se réunissent au moins une semaine avant la première semaine, on va dire, de
match. Ouais. Donc c'est pas évident de mettre en place un travail physique, physiologique vraiment de pro, en profondeur, on va dire. Donc très clairement, de texto, ils ont clairement bavé sur ces deux semaines à Monaco. Thibaut Giroud, on a vu, on a surtout entendu Thibaut Giroud sur le terrain, parce que quand il donne des consignes, je vous assure, là s'il nous disait de faire des pompes, je pense que clairement on le ferait, on ferait pas les malins. Donc voilà, Thibaut Giroud a vraiment géré toute cette préparation là avec ses équipes, forcément il n'est pas tout seul. Ça n'a été basé que sur du physique. Les temps de rugby étaient assez réduits, vraiment, on travaillait pas les détails. Sachant que pourtant ils s'étaient fait un peu comme ce que tu disais, ils n'avaient pas le temps. Ils travaillaient et le rugby et le physique, voilà, en même temps. Ils avaient vraiment mis des modules comme ça en place, c'est ça, qu'ils ont trouvé un peu plus tard. Du coup. Voilà, où les deux se liaient, malgré tout, c'est ça. Le physique restait toujours à part entière avec le rugby. Sauf que là, vraiment, ils ont décidé de mettre l'accent sur le côté physique. Donc déjà, ils ont pris que les joueurs, notamment ceux qui ont fini la finale championnat à La Rochelle-Toulouse, n'ont eu que 15 jours de repos. Parce que l'idée, c'était, après 15 jours de repos, ils se sont reposés, mais ils sont pas tombés en régime. Donc ils sont toujours dans des high level, on va dire. Donc l'idée, c'était que tout le monde redémarre à ce stade-là. Donc, ils en ont réellement bavé. Pour avoir vu les images, nous, on a Mathieu Dupont, un JRI, donc journaliste reporter d'images, pour être tout à fait précis. Un journaliste qui filme en même temps. Exactement, qui a la caméra, qui lui est en inside et tourne pour nous les images qui vraiment ont été. Moi, pour avoir suivi plusieurs fois les préparations, enfin là, c'était assez hard. C'était sous le soleil aussi, vraiment très, très grosse chaleur. Là, on parle de la chaleur d'ici, mais Monaco, ça n'avait rien à voir. Ouais, c'est la période vraiment. En juillet, on n'en pouvait plus. C'est ça, c'était vraiment compliqué. Partout en France, c'était vraiment dur. Exactement. Donc, les organismes ont vraiment été poussés à bout. C'était une volonté du staff. Alors, bien entendu, c'est encadré, mais c'est une vraie volonté de les pousser au max de leur retranchement. Thibaut Giroud nous disait même dans une interview qu'il pensait que sur certains gabarits, notamment les plus costauds, les premières lignes, ils allaient devoir un petit peu réajuster, on va dire, l'entraînement physique. Il pensait surtout à Uini. C'est sûr que, vu le gabarit qu'il a, ils pensaient notamment à Uni Antonio, mais pas seulement, mais en effet. Ils pensaient réellement qu'ils allaient devoir réajuster. Et en fait, tout le monde a terminé la prépa exactement, sans aménagement. Tout a été nickel. Il n'y a pas eu de bobos ou de gros PPM physiques. Donc vraiment, ces deux semaines-là, ça a été de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement, avec des exercices que moi, j'avais jamais vus et qui étaient assez drôles, on va dire, dans le sens... Drôle. Pour nous, c'est drôle, vraiment. Mais voilà, toujours avec une idée de compétition entre eux. Voilà, c'était des petits challenges. Donc on va dire que ces deux semaines à Monaco, c'est ça, c'est de l'intense, l'intense, l'intense et de la souffrance. Bah, alors moi j'ai eu deux joueurs en off, ouais. et on m'a dit, on mange des cailloux, c'est la Mongolie. Genre, j'ai un joueur, il m'a envoyé ça, il m'a dit écoute, on mange des cailloux, c'est la Mongolie, c'est incroyable. Ouais, c'était... Sincèrement, c'est dur quoi. Et pourtant, on parle de sportifs pro. Oui, et on parle d'athlètes en plus internationaux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une différence aussi entre la préparation physique qu'on va demander pour des clubs, même si on sait que le top 14, ça fait partie des meilleurs championnats qui existent. En revanche, là, on passe à un autre niveau qui est l'international. Tous ces mecs-là, ils ont leur place dans les 42. Fabien Galthié le dit, c'est les meilleurs du moment. Donc, ils sont pris, ils savent faire, ils savent la haute intensité, ils connaissent. Mais là, réellement, ça a été. C'est franchement dans les organismes dur quoi. Mais c'est vraiment top parce que moi je me rappelle la prise de fonction de Galthié et donc de tout son staff. C'était légèrement avant la Coupe du Monde 2019 au Japon. Tout à fait, Et il y avait vraiment cette envie de réathlétiser nos joueurs. Comme quoi on avait du retard et ils allaient essayer de refaire leur retard. 4 ans plus tard, tu vois que ça s'applique au jeu qu'ils veulent faire, qu'ils veulent mettre en place, qui est extrêmement énergivore, qui demande une grande lucidité sur un terrain. Donc pour être lucide, il ne faut pas être dans le rouge. Très donc clairement. Forcément, le physique est ultra important et toute la team de prépa physique et de performance emmenée par Thibaut Giroud, c'est boulot de ouf. Après Monaco, il y a petite blague parce que sur le calendrier, il y a petit repos, genre retour en famille. Oui, c'est un pseudo. Alors non, mais c'est un retour en fait, famille. C'est très clairement un retour en famille. Retour en famille. Parce qu'ils rentrent chez eux. Mais il y a des exos à la maison. Ils ont des exos monitorés, donc avec leur GPS qu'ils ont. Donc c'est-à-dire que tout est calculé. Tu peux pas tricher. Tu ne peux clairement pas tricher. Tu peux pas le faire faire à un copain. Non, non, vaut mieux pas parce que sinon c'est compliqué. Il y avait une obligation aussi de pas prendre de poids. Il faut dire que sur Monaco, c'était pesé et je crois que ça continue même encore. Pesé tous les matins de poids. Et avant de partir, Thibaut Giroud leur a demandé, et Eve, l'une de leurs nutritionnistes, c'était « vous ne revenez pas en ayant pris du poids ». Donc, c'est un retour en famille, mais en effet, c'est pas la fête, quoi. Tu fais pas des gueuletons. T'es pas barbecue, non, let's go. Ou sinon, tu sais comment tu réajustes, quoi. Ouais, c'est chaud. Donc, et en effet, c'est ça. Ils avaient en plus des exercices à faire, notamment des courses.
pour que les gens se rendent bien compte que vraiment la prépa, elle a démarré. Après, il y a de l'adaptation, mais ça s'arrête vraiment jamais. Ouais. Et c'est assez lourd à ce niveau-là. Mais bah, non, c'est, franchement, c'est trop fort. Ouais. Moi, ça me fait marrer parce qu'on ne la subit pas. C'est mais ça. Bravo aux gars. Et j'espère que quand tu sues comme ça, c'est pour aller chercher quelque chose. Oui, clairement. Je me permets juste de répondre à une question sur le côté GPS. Carrément. En fait, c'est des petites balises qu'ils ont et qu'ils mettent à chaque fois à l'entraînement pendant le match dans le dos. Et ça enregistre toutes les courses qu'ils font sur l'intensité, la rapidité qu'ils ont fait, la distance parcourue, combien de temps, voilà, en fait c'est des données, tout est calculé et ça permet justement après sur la performance physique, que ce soit les prépas physiques notamment, de réévaluer est-ce que ça a été bon, est-ce qu'ils sont dans les normes, voilà, ils avaient des objectifs, est-ce qu'ils les ont, ont atteints. Voilà, j'espère que j'ai répondu ouais, c'est à ça. La question. Et alors, moi j'ai eu la chance de visiter le CNR, je pense que toi aussi, donc Marc aussi. Bah, toi c'est pas que tu visites, toi t'as ta chambre là-bas maintenant, ça y est, Inès Rigoyen, chambre numéro 18, let's go. Et, j'en sais rien. et en gros, il y a une balance avant de rentrer dans le self. Dans ouais, le self, il y a une balance. La pesée se fait à. Enfin, là, du moins, sur Monaco, la pesée, t'avais la salle de restauration. Et non, la pesée mentalement, là. Ça fait mal, hein. T'imagines? Derrière, tu sais si tu prends ou pas tes pancakes et tes petits œufs brouillés. Ah ouais, je vous en remets un petit peu. Et non, il y a une nutritionniste qui va me défoncer. Et en général, c'est ce qui se passe. Enfin, je me souviens d'une séquence que Mathieu Dupont a tournée. Je crois que c'est Emilien Gailloton, mais ça se joue à 200 grammes près. Et derrière, c'est ça conditionne, oui ou non, ton petit-déj, ce que tu prends. Quoi. Clairement, nous, Emmerich, c'est pas pour nous. Hein. Ah bah moi, clairement, s'ils prennent la masse graisseuse, ils vont être déçus. Quoi. Tu vois, genre... Il y a une adaptation. Disons que j'essaie de m'entretenir, mais je suis pas à leur niveau et je vais pas jouer une Coupe du Monde. Non, pas d'ailleurs, bien grave. C'est pas nous qui sommes sur le terrain. C'est pas bien grave. Ouais, non, pour le coup, non. Après cette période, ils sont allés. Après cette période, ils retournent à Marcoussi. En gros, il faut savoir que le mois de juillet, il est divisé en deux. C'est-à-dire que vraiment, les deux semaines de Monaco. Pardon, je parle beaucoup avec les bras, hein, c'est le côté très sud-ouest. Donc les deux premières semaines c'est à Monaco, plus la première semaine de Marcoussi, puisqu'ils y sont passés deux semaines. La première semaine de Marcoussi, c'était intensité. Première semaine de Marcoussi. Ouais, j'ai fait ES. Franchement, ça marche. Tant que tu te trompes pas, c'est voilà. OK. Voilà, il faut écouter, pas regarder. Mais donc voilà, la première semaine de Marcoussi était vraiment sur le côté aussi, on continue sur de la haute intensité. Mais là, ils ont retrouvé le ballon un peu ou pas? Pas tout à fait. Ah ouais. Vraiment, la première semaine, vu qu'il n'y avait pas de match au bout, on retrouvait un petit peu, mais on restait vraiment sur des cadences assez élevées. Alors que la deuxième semaine de Marcoussi... Là, on est un peu fin juillet, non? Là, on est clairement fin juillet. On est fin juillet. Si je dis pas... Oui, c'est ça, on est fin juillet. Et ensuite, début août, arrive la deuxième semaine de Marcoussi. Et donc, le premier match Écosse-France. Donc, on repart sur des standards un petit peu d'entraînement. C'est-à-dire, le lundi, c'est assez calme. Il y a des entraînements clarté. Le mardi, il y a encore un petit peu de c'est clarté. C'est quoi, entraînement clarté? Alors, entraînement clarté, pardon. Oui, c'est parce vrai, que c'est pour le toi, ça y est, toi t'es dedans, ouais, mais... Entraînement clarté. Alors, quand on le voit comme ça, ça paraît très bizarre. Parce qu'en fait, les joueurs n'ont pas le droit de courir sur le terrain. C'est de la marche, grand maximum. C'est de la visualisation. C'est de la visualisation. En fait, sur leur plan de jeu, ils vont répéter vraiment des phases de jeu très spécifiques. L'idée, c'est d'être au bon timing, au bon moment, et de répéter sans l'intensité pour être à fond mentalement, on va dire, vraiment dans le placement, tout ce qu'il faut pour être coordonné. En fait, t'entraînes ton exécution. C'est ça. Sans mettre de la vitesse, et après, tu c'est mettras ça. Du rythme. Exactement. C'est vraiment, sur les semaines de match, ça se passe du coup en deux temps, donc il y a ça qui commence. Ils font ça sur combi, tu l'as vu, genre trois quarts, et aussi genre les touches Ou c'est du mouvement général? C'est assez découpé, avec avant d'un côté, les touches, en général, ça saute très peu. Et notamment, en général, ils font ça, mais ils repartent dans la salle de muscu, ils ne sont pas forcément sur le terrain. Les trois quarts, eux, sont sur le terrain. Ah, ça bosse les trois quarts, hein, quoi qu'on en dise. Hein. Ouais, quoi. Tu le sais. Donc vraiment, voilà, c'est un entraînement qui est un peu particulier parce qu'on ne les voit pas courir. Donc ça, c'est clarté, c'est le début de semaine, avec mardi où ça commence l'après-midi en général à recourir. Mercredi, c'est le gros l'entraînement haute intensité. Donc là, vraiment, ça s'envoie en général, ça bastonne. On peut comme on dit, entraînement à balles réelles. C'est exactement ça, vraiment. Donc là, vraiment, il y a l'intensité. Ce qui a été travaillé en clarté, vraiment, est travaillé à vitesse réelle. En général, ce qui se passe, c'est que l'entraînement est plus élevé en intensité que ce qu'ils ont en match. Ouais, c'est ça, du 120%, c'est ce qu'ils annonçaient un peu. Ouais, vraiment. Parce qu'ils estiment que ça allait être la Coupe du Monde avec le plus de... le terme anglais, c'est ball in play, mais le terme français, c'est de temps de jeu effectif. Et donc, du coup, on était, par exemple, contre l'Écosse, à la mi-temps, Galtier nous dit, on est sur 20 minutes de temps de jeu effectif. Ouais. On voit que, pour eux, ils veulent savoir, est-ce que leurs joueurs sont cramés.
Et pour ça, et ben voilà, c'est combien de temps de jeu effectif. Le temps de jeu effectif, c'est le moment où le ballon est vivant, quand on va se placer, quand on est actif, quand le ballon est vivant en fait, quand le ballon est actif dans les mains, ou qu'il y a une poussée, ou que voilà, qu'on a lancé le jeu. Et donc l'Écosse, ça fait 40 minutes. On se rappelle du match du Six Nations, France-Irlande, enfin Irlande-France, 46 minutes de temps de jeu effectif, c'était monstrueux. Et donc ils ont imaginé une Coupe du Monde avec le plus de temps de jeu effectif. Donc vraiment. Et les nouvelles règles vont dans ce sens-là. On vous fera un petit point sur les nouvelles règles dans quelques minutes. Mais il y a vraiment cette envie-là, vraiment de se dire, ok, on va pas bosser à ce qu'on doit faire, on va bosser à plus que ce qu'on doit faire. Et ça depuis longtemps, mine de rien. Ouais, quasiment sur les 4 ans, vraiment, c'est quelque chose qui a été vraiment instauré. Et l'idée, c'est de se mettre aussi dans des positions inconfortables. Donc en général, c'est donc des oppositions, deux équipes qui s'affrontent. Donc sur les 42 joueurs, ils sont mis en place. Il y a des changements assez rapides. Ils vont les mettre aussi dans des conditions, par exemple, voilà, ils vont annoncer touche dans les 5 mètres pour l'équipe adverse, donc celle qui représente en général l'équipe qui sera affrontée. Et l'idée, c'est de les mettre vraiment dans des situations hyper inconfortables. Même des scénarios. C'est ça. Et c'est ce qu'ils appellent scénario. Et c'est vraiment l'idée d'être paré à toute éventualité. Par exemple, ils vont faire sortir, ils vont dire, voilà, ben, vous êtes en situation carton rouge, vous êtes à 14 contre 15, qu'est-ce que vous faites? Et c'est vraiment, en fait, il y a une préparation qui est pensée physiquement, on l'a dit, avec le côté rugby et le côté physique, vraiment qui s'entremêlent, mais il y a aussi l'aspect mental. Donc c'est les pousser dans les moindres retranchements, les étouffer, on va dire, physiquement, et en même temps les obliger à prendre des décisions. Est-ce que là, à ce moment-là, est-ce que vous allez décider de taper en touche? Est-ce que vous allez décider de prendre les points? Vraiment, tout est pensé, on va dire, de manière complète. Et je trouve que sur les interviews et sur notamment Destin Mêlé, qui est, si vous ne savez pas ce que c'est Destin Mêlé, c'est une sorte de vlog de l'équipe de France, vraiment sur la chaîne YouTube de France Rugby. Vous pouvez trouver des épisodes tous les lundis. Et sur Destin Mêlé, on voit aussi un petit peu ça, tu vois, on peut suivre ce côté et cette clarté qui nous est transmise aussi sur le côté, on nous explique le projet. On a connu souvent, tu vois, que ce soit en club ou tout ça, des gens qui, voilà, qui voulaient absolument cloisonner les informations. Aujourd'hui, on nous explique le projet de jeu, le public peut le comprendre, on nous donne des clés pour le comprendre. Et ensuite, quand on voit les gars sur le terrain, ben forcément, on les aime parce qu'à un moment donné, on comprend ce qu'ils veulent mettre en place. Et en plus, derrière, bon, on a des bons joueurs et les résultats arrivent. C'est vraiment cool. Donc, à partir de là, on va en Écosse. Et là, on arrive sur le match en Écosse avec... je voulais rajouter un autre truc que je trouve assez cool aussi à savoir. C'est, j'ai vu une interview de Galtier qui disait comme quoi, dès le lundi, les joueurs savent et connaissent la composition. Alors pas tout le temps. C'est Galtier qui l'a dit, alors à un moment donné... Pour ce match-là, ils étaient au courant dès le lundi. Pour celui-ci, ils ont été mis au courant le mercredi. Officiellement, ils ont eu l'annonce de la compo le mercredi. Il m'aurait menti. Non, il t'a pas menti parce qu'à ce moment-là... Fabien m'a menti. À ce moment-là, il est... hyper véridique dans le style. Ok. Donc voilà, mais ça peut varier, mais en général, c'est assez. C'est très souvent en début de semaine. D'ailleurs, c'est ce qu'il explique, Galtier, qu'il y a un ranking chez les joueurs sont au courant, ils savent à peu près la place qu'ils occupent, ils savent s'ils sont premiers joueurs au poste qu'ils occupent, ou s'ils sont plutôt finisseurs, ou bien des joueurs qui vont être plutôt hors groupe, et qui vont aider sur la semaine. Mais oui, en général, ils sont au courant assez vite, et ça participe aussi de cette idée de on travaille le plus vite possible sur le match qui arrive, quoi. Le quoi ? Ouais, on y va, on avance. On nous dit d'avancer parce que voilà, à un moment donné, il faut quand même avancer. On parle. Mais c'est vrai qu'on parle. On va parler. Est-ce qu'on a des infos sur Jesse ? T'as des infos de Jesse ? Alors écoute, je te laisse meubler 2 minutes et je te dis. Ok, ça marche. Ensuite, on revient sur la fin de la prépa. Après ce match-là, on va revenir sur le match, mais après ce match-là, ils vont à Cap-Breton. Et là, il y a une institution un peu en mode camping avec les familles où tout le monde a sa tente, son bungalow, je sais pas, avec sa famille. Ce qui permet d'avoir le contact de la famille parce que mine de rien, bon, on peut se dire, ouais, prépa. Commando, c'est bien beau, mais si tu pars un mois et demi sans ta famille, sans tes enfants, c'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé. Ça détruit un peu dans ton cœur, tu vois quand même. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs en 2007, quand la France était déjà hôte de la Coupe du Monde. Vraiment, le 15 de France a vécu en vase clos préparation et surtout pendant la Coupe du Monde. Donc là, l'idée, elle vient de Fabien Galtier, qui en 1999, sur la Coupe du Monde, voit que les Australiens mettent en place ce système-là, on va être avec les familles, et lui, à ce moment-là, il observe, en tant que joueur, que les Australiens sont un peu plus frais, on va dire, mentalement. Donc là, l'idée, les règles, c'est les joueurs qui voulaient... En gros, ils ne sont pas tous avec leur famille.
Ceux qui ne le sont pas, c'est tout simplement parce qu'ils ont décidé de ne pas l'être. C'est leur choix. Donc ils se retrouvent en général entre joueurs dans un bungalow, mais un bungalow chalet. Et tous les joueurs qui ont demandé à avoir une famille, voilà, se retrouvent tout seuls avec famille qui peut venir un peu n'importe quand. Il y en a forcément, ils sont entre potes. Il y a des bungalows qui sont plus forts que d'autres, c'est ce que tu es en train de me dire. Voilà. Mais en gros, c'est pas moi qui le dis. C'est moi qui le dis, j'assume. Mais en effet, il y a les familles qui peuvent venir et les familles ne sont pas obligées d'être là sur l'intégralité des 3 semaines pardon, de préparation. Cette semaine, il y a des très jeunes papas dans l'équipe. La première ligne, c'est des jeunes papas. François Croce aussi. Brice Dulin avait son petit qui était là également. Et les compagnes peuvent venir, les parents aussi. Donc l'idée, c'est... Relou, J'embrasse bien sûr mes parents, je les aime très fort. L'idée, la règle en fait, c'est que la journée, c'est une journée normale. Vraiment, ils travaillent, ils sont avec le 15 de France, ils déjeunent avec le 15 de France. En revanche, c'est sur la fin de journée, une fois que l'entraînement est terminé. Temps libre quoi. Temps libre, donc ils dorment avec leur famille et ils ont la possibilité, s'ils veulent même, de ne pas manger le soir au self avec le 15 de France. Bien entendu, c'est vu avec les nutritionnistes. Les nutritionnistes, ils leur ont dit l'idée, c'est... Voilà, c'est bonne franquette, mais quand même qu'il fasse attention. La famille quoi. Qui arrive en scred. Tiens, je t'ai filé 2-3 barres chocolatées, tiens, discret. C'est ça, pas abuser sur les barbecues et les petits gueuletons de famille, quoi. Mais voilà, l'idée, c'est qu'ils puissent vraiment souffler un maximum, parce que quand la Coupe du Monde va arriver, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Et les joueurs, ils sont unanimes. Hein. Là, moi, j'ai vu Cyril Bail, Thomas Ramos et Grégory Aldrit cette semaine. Et tous, ils sont unanimes. Ils disent, mais quel bonheur d'avoir sa famille. Notamment Cyril, qui est papa depuis ce début d'année. Il dit sa petite, il la voit pas souvent, sa compagne non plus quand ils sont en déplacement. Donc il y a un vrai bienfait mentalement, on va dire. Donc tout le monde vit un petit peu comme ça, en famille. Ils sont aussi entourés de touristes parce que le camping, il n'est pas privatisé. Oui, c'est ça qui est fort. Donc ils se retrouvent. L'autre jour, c'était très drôle. Il y avait. Ça joue à la pétanque un peu. Alors ça, je sais pas si les joueurs ont joué à la pétanque. Si j'ai vu, je crois. Voilà, il y a Péa Tomovaka. La dernière fois, était sur le petit terrain de basket. Il y avait des petits jeunes autour de lui. Voilà, il y a une vraie communion aussi. Il y a un respect, je crois quand même, de la part aussi des supporters qui vont pas les gêner outre mesure. Ils ont un espace à eux qui est privatisé. Une photo avec des gosses et tout. Mais ça, voilà, c'est cool, et c'est aussi un peu l'image de ce 15 de France. Quoi. Ils sont assez accessibles. Ouais, il y a eu pas mal de matchs aussi ouverts au public. Je crois qu'il y a un dernier match ouvert au public. Ouais. Un entraînement, pardon. Ouais. Parce que le match est ouvert au public techniquement. Oui. Sinon, c'est complètement bizarre. Sinon, c'est bizarre. Covid et c'est pas Sinon, cool. Sinon, c'est Irlande-Portugal. J'embrasse, bien sûr. Je sais pas si t'es au courant de cette histoire. Non. Tu verras. Et tu tapes Irlande-Portugal, match d'entraînement. Match d'entraînement, donc du coup pas ouvert au public. Et il y a un numéro 10 irlandais qui a joué. Bref. D'accord. Après, moi, c'est en mon nom que je parle. On a une bonne information, c'est que Jessie arrive. On équipe notre invité. Et je pense qu'on a en exclusivité un très très beau moment qui s'est passé cette semaine. Je vous ai parlé tout à l'heure de Destin Mêlé. Voilà, le vlog qui suit l'équipe de France. On vous a résumé à peu près ce qu'ils ont vécu. Et donc, chaque semaine, tous les lundis à 17h sur la chaîne France Rugby, sur YouTube, vous allez retrouver un épisode de Destin Mêlé. On a un court extrait, mais très très fort en émotion. Le jeune Mathias. Qui est venu, qui a assisté. Ouais, c'est ça, qui est des Hautes-Pyrénées, de Bagnères-de-Bigorre, qui a eu un grave accident en décembre sur un terrain et qui est venu assister, comme tu le disais, toute la journée à l'entraînement ouvert au public mercredi dernier et qui a aussi fait partie de la réunion annonce-composition. Exactement, il a eu ce moment privilégié. Écoutez-le, c'est tout simplement 17 ans, quelques mois après son accident, c'est assez bluffant, c'est une très belle histoire de vie. Et on le remercie aussi, lui, d'avoir ce discours-là. C'est très important et d'ailleurs, vous le verrez, grande émotion. Toujours dire qu'on peut mieux faire, que voilà. Vous l'avez déjà en tête, mais je pense que c'est bien d'y penser et de vous dire qu'il y a des gens qui prennent exemple sur vous, comme moi. C'est avant de donner l'équipe, on a Mathias qui nous a suivis, donc il a fait toute la journée avec nous et puis il participe aussi aujourd'hui à l'annonce de l'équipe et il a envie de nous faire passer un petit message. Bon, déjà, j'aimerais commencer par vous parler un peu de mon histoire. J'ai eu un très grave accident de rugby le 14 décembre 2022. Donc voilà, sur un terrain de rugby, ma vie a basculé. D'une fraction de seconde à l'autre, j'ai pas compris ce qui s'est passé et voilà, je me suis retrouvé comme ça. On va pas rentrer dans les détails, mais je suis parti en réanimation. Je suis resté 2 mois en réanimation et 3 semaines intubé. Donc voilà, ça a été des moments très très durs pour moi. Mais bon, voilà, comme je dis, je me suis battu comme j'ai pu, et puis
quand j'étais dans le mal et que j'étais pas bien, déjà j'ai reçu la visite de certaines personnes du Stade Toulousain, donc déjà je les remercie encore parce que ce sont des joueurs qui m'ont donné de la force autant que vous, autant que tous les messages que j'ai reçus de la famille du rugby, si je peux appeler ça comme ça. Vous avez participé à Revolution au fait que je suis là aujourd'hui et que mais je bouge certaines parties de mon corps, excusez-moi. Et tout ça pour vous dire que déjà merci à tout le monde, merci au staff, et vous dire qu'il faut y croire, qu'il faut toujours se dire qu'on peut mieux faire, que voilà. Vous l'avez déjà en tête, mais je pense que c'est bien d'y penser et de vous dire qu'il y a des gens qui prennent exemple sur vous, comme moi j'ai pris exemple sur vous, et qui ont cet espoir de se battre. Donc, comme je dis, le rugby c'est fini pour moi, mais c'est tout grand match en fait, tout grand match que je fais, mais c'est le match de ma vie, excusez-moi. C'est le match de ma vie en fait, et vous faites votre match, donc bien sûr les intérêts derrière sont pas les mêmes, mais je pense que les deux se rejoignent parce que toujours aller de l'avant, et moi c'est le message que j'essaie de véhiculer. Et je vous remercie vraiment pour la chance que j'ai d'être ici et de pouvoir vous parler aujourd'hui. Voilà, merci. Un maximum de cœur dans le chat, comme on a l'habitude de le faire sur Twitch, pour Mathias. Mathias, témoignage poignant, je pense qu'on a tous été émus, ouais. Et je pense que ça va faire du bien aux joueurs de vivre ce genre de choses, ce genre de témoignage. Tu sais que voilà, tu te bats pas pour toi, tu te bats pour une équipe, mais tu te bats pour plus que ça, tu te bats pour ton pays. Et je pense que ça c'est fort, ça fait partie des rendez-vous assez importants. On est avec Jessie Trémoulière, vous l'aviez deviné dans le chat. Alors enchaînez les cœurs aussi, les drapeaux français, parce que là on reçoit une légende du 15 de France. Salut Jessie, bonsoir, merci d'être bonsoir avec tous les nous. Deux. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Merci avec vous, merci quand même, c'est gentil, surtout dans un beau cadre comme ça. C'est ça, pas très loin de chez toi, on le disait hein, tout à l'heure, tu joues à l'ASM Romagna, donc t'es quand même pas très loin à côté de Clermont. Ouais, exactement. T'as combien d'heures de route là? Tu connais les lieux aussi, je crois. Oui, assez bien. T'as mis combien de temps là toi pour arriver? À peine 2 heures, ça jouerait tranquille. À peine 2 heures. Voilà. Ouais, ça roule, je passais par la rocade, tu comprends, j'ai mon petit tuyau. Bon, si jamais on fait un petit point quand même sur la carrière de Jessie, bon, normalement, pas trop besoin d'y revenir dessus, mais si je me trompe pas, 78 sélections avec l'équipe de France. Jessie, en 2018, c'est tout simplement la meilleure joueuse du monde. Elle a été élue par World Rugby. Elle a été également élue meilleure joueuse de la décennie 2010-2020, rien que ça. Grand Chelem 2014-2018. Troisième de Coupe du Monde sur cette dernière Coupe du Monde, c'était en octobre en Nouvelle-Zélande. Et puis championne de France aussi avec l'ASM Romagna. Bon, on vous disait grosse invitée, grande classe, ouais, on n'a pas menti. Non, franchement, c'est pas menti. Tu m'as dit, écoute, je pense à une copine, j'ai dans les tuyaux, j'ai dans mon carnet une joueuse légendaire. Bon, invitons-la alors. Voilà. Merci pour tous ces compliments, mais voilà, j'ai donné le maximum pour l'équipe de France et après, dommage qu'on n'a pas eu ce titre de championne du monde récemment, mais j'espère que c'est que partie remise pour le groupe. Si on rappelle un petit peu, si vous n'avez pas suivi, tu as annoncé ta fin de carrière juste avant le dernier tournoi Destination. Donc tu es retraité. Est-ce que tu peux expliquer aux gens ton quotidien? Parce que très clairement, ce n'est pas du tout l'idée que vous faites de quelqu'un de retraité. Non, retraité, c'est des mots croisés. C'est tranquille, à la plage en ce moment. Tu te réveilles vers 15h. Voilà, exactement, les petites grasses matinées. Est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien quand Mon quotidien, j'ai un projet d'installation sur la ferme familiale. Donc je travaille à la ferme avec des animaux en vache laitière. Donc il faut se lever le matin pour aller à la traite. Et voilà, les journées sont de 6h30 levé, 7h de boulot. Et en ce moment, c'est 21h le coucher. Donc voilà, ça fait des bonnes journées. Mais bon, c'est par passion encore. J'aime ça et je le fais juste par passion et j'adore ça. Donc on rappelle par contre, tu n'es pas entièrement retraité parce que tu continues de jouer quand même en club à l'ASM Romagna. Oui, exactement, parce qu'il y en a plein qui se disent « Ah, tu vas arrêter le rugby, mais c'est où qu'on va te voir ?» Je dis « Non, ne vous inquiétez pas, je vais continuer avec mon club. » Ça va pas être du tout le même rythme, ça va être un peu plus, on va dire, un peu moins compétitrice, mais voilà, je le suis dans l'âme, donc, mais lever le pied, parce que voilà, je peux plus faire le sportif de haut niveau et travailler aussi à la ferme, je peux plus allier les deux, et je vais continuer quand même avec le club, parce que j'adore le rugby, et j'ai envie de continuer, j'ai encore la forme physique et sportive aussi, donc
voilà, on va quand même un peu aller chatiller les copines sur le terrain. Ouais. On a un peu envie aussi de te faire, Aymeric, que tu me contredis si jamais, mais de te faire réagir sur le match de la semaine dernière des Français en Écosse. Moi, j'ai peut-être une première question. La semaine dernière, il y a eu trois nouveaux capés, donc Paul Boudehan, on a eu Emilien Gailleton et Louis Bialbiaré. Vous, l'année dernière, si je ne me trompe pas, on avait aussi Lina Queiroz, demi d'ouverture, Charlotte Escudero qui avait commencé un match de préparation. Contre l'Italie, je crois. Contre l'Italie, tout à fait, à Nice. Est-ce que c'est un cadeau de commencer une première chez les Bleus, chez la grande équipe de France, sur un match de prépa? C'est pas spécialement des cadeaux, parce qu'on a un peu cette pression de dire ben, en fait, je ne dois pas me louper parce que sinon je ne suis pas prise pour la Coupe du Monde. Et après, c'est à nous de faire les efforts collectivement, de les mettre à l'aise pour dire t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. Voilà, c'est les mettre le plus à l'aise possible pour qu'elles soient dans de bonnes conditions, pour pas qu'elles se gâche un peu cette notion de dire mais si je fais un mauvais match, je suis pas prise à la Coupe du Monde ou je vais rester à la maison. Donc voilà, après c'est sûr que c'est pas des cadeaux de les mettre sur des matchs de préparation. Après voilà, si on les met pas là aussi, on les met après la Coupe du Monde. Si on met ces jeunes filles, c'est qu'elles ont du potentiel et qu'on a potentiellement besoin de sur la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est le but, c'est de faire abstraction de tout ça. C'est pas évident. Donc après, à nous de les accompagner au maximum. Et les trois jeunes capés qu'il y a eu la semaine dernière, je pense qu'ils s'en souviendront parce qu'ils ont fait plutôt une belle prestation. D'ailleurs, on voit qu'il y en a qui sont reconduits sur ce match ce soir. Hein. Justement, ouais, on peut peut-être te poser une question sur comment tu les as trouvés, toi, ces jeunes bleus, jeunes pousses, comme on peut le dire. Ben, je les ai trouvés plutôt assez performants. Je pense qu'ils ne se sont pas posés plusieurs questions. Ils ont vraiment saisi l'opportunité d'aller dire bon voilà, c'est un match de préparation. Je pense qu'ils ont été très bien accompagnés, connaissant le staff, ils ont été très bien accompagnés là-dessus. Et voilà, ils ont joué libérés, ils ont joué avec leur talent, ils n'ont pas surjoué, ils ont joué dans leur projet de jeu et ils ont plutôt éclaté la télé. Et voilà, on a vu Pierre Malek qui a marqué son essai, Boudéan qui a l'origine d'un essai. Donc voilà, on voit qu'il y a encore des qualités qui arrivent dans les futures années. Ouais. T'as l'impression que la source n'est jamais tarie en fait avec le 15 de France, c'est assez incroyable. Ouais, il y a des questions du chat. Mais vu la Coupe du Monde aussi que les moins de 20 font, ça fait 3 années qu'ils sont champions du monde. Donc voilà, c'est de bon augure. Même là récemment, la Coupe du Monde qu'ils ont effectué les moins de 20, tu vois les deux porteurs, tu vois Gazzotti, tu vois Reux, ses compagnies. Et il faut rappeler d'ailleurs que Emilien Gailleton et Louis Bialbiaré n'ont pas pu disputer la Coupe du Monde des moins de 20 parce que le staff de Fabien Galthié les a appelés pour préparer cette Coupe du Monde là. Et comme tu dis, ils font partie de ce réservoir UV. Exactement, après c'était un bon challenge. Enfin, c'était compliqué aussi parce qu'ils se disent ben, je vais pas participer à la Coupe du Monde des moins de 20, je vais louper cet événement. Mais derrière, j'ai peut-être une Coupe du Monde avec les grands. Donc c'est vrai que c'est un peu un juste milieu, il faut faire le bon choix. Après voilà, ils ont fait le choix qu'il semblait être bon pour eux. Et on voit qu'aujourd'hui, ben, j'espère que ça sera le bon encore pour eux pour la suite. Ouais. On a des questions du chat, il y a Joseph qui demande envisagez-vous un avenir dans la transition comme entraîneur? Oui, je l'envisage parce que pour moi c'est important de transmettre. On m'a transmis beaucoup de choses, on m'a appris beaucoup de choses. J'ai fait 12 ans en équipe de France, donc oui, j'ai acquis de nombreuses compétences. Et j'attends que un peu avec la ferme, ça s'organise, que ça se pose un peu, même si c'est jamais bien tranquille. Mais voilà, que tout ça rentre dans l'ordre. Et j'aimerais l'année prochaine, pourquoi pas, passer mon diplôme d'entraîneur. Et du coup, plutôt un niveau, j'imagine, pour commencer peut-être en club. Après, est-ce que tu as d'autres prétentions peut-être au niveau international aussi? Non, pas du tout. On va pas nous coacher les Anglaises. Hein. Décolle pas. Ah, je sais pas, si on me le propose, je sais pas. Décolle pas. Moi, ça me ferait mal au cœur, je te le dis. Non, jamais d'avis. Jamais je trahirai mon pays quand même. Merci. Même si on me donne un gros billet, je pense à... Non. Je sais d'où je viens. Faut qu'il soit je très, sais, très gros. Je sais ce qu'elles m'ont fait sur le terrain quand même. Ok, c'est bon. J'ai sécurisé ça, les copains. Mais après oui, d'abord en club ou dans une école de rugby, j'ai eu l'occasion d'entraîner des moins de 16 ans, des cadets, et je me suis vraiment éclaté. Et avec eux c'est bien parce qu'on a tout leur à apprendre, il y a des échanges qui sont vraiment sereins, qui sont vraiment honnêtes. Et avec eux, les joueurs ont appris et moi j'ai énormément appris aussi à leur côté. Et après voilà, chaque chose en son temps, petit à petit.
d'abord se faire un peu la main avec les jeunes parce que j'ai jamais entraîné, donc voilà, de se faire la main avec un peu les jeunes, après pourquoi pas avec le club, mais on verra à l'avenir comment ça va se dénouer. En plus, t'avais un petit peu de temps entre 22h30 entre deux, et 2h30 du matin. Ouais. Entre deux traites, j'ouvrirai le cahier. Ouais, c'est ça. On va faire une 8ème journée. Bah, tu vas voir, les matchs, elles vont être gaffées avec des petites combis et tout dessus. T'es. Quand je vais ouvrir les cahiers dans la salle, ça va sentir bon en vrai. Ça va être bien. Moi je pense qu'on peut parler du match qui arrive, le France-Écosse de ce soir, donc 21h05 pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il sera sur TF1, j'ai vu que ça demandait est-ce que le match allait être diffusé sur Twitch. Non, on fait l'avant-live sur Twitch, on fait monter la pression avec Inès pour bah justement voilà, vous parler de ce 15 de France et vous parler de cette équipe qui nous fait plaisir, puis là on est quand même avec une grande championne, donc on en profite. Et donc la proposition est diffusée sur TF1, bien évidemment. Je l'ai pas dit. Si, tu l'as dit, mais je le redis. Okay. Voilà, avec François Trio, Benjamin Kaiser et Califano en bord terrain. On l'a bien vu en bord terrain. Voilà. Il passe pas inaperçu ? Non, non, généralement non. Et puis quand il y a une main comme ça qui se pose sur toi, ça va ? Ok, Cali. Ça te calme. Ouais, tu t'enflammes pas quoi. qu'est-ce qu'on en attend de ce match de préparation ? Parce que tu vois, moi je fais partie des gens, mes questions sont à rallonge. Moi je fais partie des gens qui n'ont pas été dérangés par la défaite en Écosse, puisque pour moi c'est un match où on travaille, et j'en veux pour preuve les décisions, les Écossais l'ont joué pour gagner, l'équipe de France l'a joué pour travailler, et j'en veux donc les décisions, prise de pénalité, prise des points au pied des Écossais pour gagner ou pour élargir le score à la 72e. Nous à chaque fois on a eu cette volonté d'aller en touche, on a eu cette volonté de travailler avec ce groupe là, donc pour moi ça... C'était du travail, défaite, ok, bien évidemment, si tu gagnes, c'est mieux, mais c'était du travail, attaque et défense. Sur ce match-là, on a nos titulaires en puissance. Est-ce qu'on veut marquer le coup ou est-ce qu'on est encore dans cette notion de travail et on va accepter que, eh ben, y a une grosse prépa physique, comme tu l'as dit tout à l'heure, et que bah, tout soit pas parfait, il va y avoir des mauvais timings, il va y avoir des mauvaises choses, ou est-ce qu'on doit être quand même déjà un petit peu rigoureux et se dire, oula, il faut vite qu'on bascule. Parce que vous l'avez vécu d'ailleurs l'année dernière, vous avez gagné un match contre les Italiennes et vous avez perdu le deuxième. Après, je reviens sur le premier match de l'Écosse. Pour moi, c'est pas une défaite parce que on voit qu'il y a deux équipes vraiment compétitrices et qu'on aligne l'une ou l'autre, elle va répondre au rendez-vous, elle sera présente. Le score, c'est sûr, ils ont repris les points, je pense qu'ils seraient devant. Mais pour moi, ce n'est pas une défaite vu la prestation qu'ils ont fournie. On met n'importe qui actuellement, on change tout, ils ont changé l'équipe, on met n'importe quelle personne aujourd'hui dans l'équipe qu'ils ont, elle répond présent et c'est ça qui est beau. Tu es en train de dire que le projet de jeu est au-dessus en fait presque des hommes, des choix. Exactement. Il y a un projet de jeu, je pense qu'on a vu depuis quelques années où ça marche. Et c'est pas la première fois où ils ont mis ils appellent la France A. Moi j'aime pas spécialement parce que ça veut dire qu'on catégorise des gens, ça veut dire qu'ils vont aller en France A, ils peuvent pas aller en France. Donc pour moi c'est un groupe France et qu'on mette n'importe quelle personne sur le terrain, ils vont répondre présent parce que le projet de jeu il est attrayant, il est alléchant et ça joue et les joueurs ils y vont dedans et le projet de jeu ils sont mordus, ils ont envie. Après le match d'aujourd'hui, voilà, c'est des matchs de préparation. Le match contre l'Écosse en Écosse, c'est pour préparer. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Et voilà, c'est le projet de jeu, pourquoi ça n'a pas marché. Et on va travailler derrière. Et aujourd'hui, voilà, c'est le premier match en France aussi. Je pense qu'il y a des attendus inconsciemment. Vu la composition de l'équipe, je pense qu'ils voulaient marquer le coup. Ils veulent gagner, mais... On sait que tout ne va pas être parfait, c'est un match de préparation, il y a encore un mois devant eux pour le match d'ouverture. Donc voilà, il faut leur laisser le temps. S'il y a des choses qui ne marchent pas aujourd'hui, il ne faut pas râler, il ne faut pas, faut pas être exigeant non plus. Mettre des cibles sur les gars et voilà, tout, exactement, dire qui rentre chez lui ou des choses comme ça, mais voilà, c'est... Allez, ça sort pas dans les 33, allez, ça voilà, sort. Exactement, je pense qu'aujourd'hui c'est pareil. C'est parfois les réactions qu'on a eues lors du prochain match, lors du dernier match. Exactement, donc c'est pour ça que c'est bien de le préciser. S'il y a des points à prendre, je pense qu'ils vont aller en touche pour aller voir, essayer une touche. C'est là où on peut essayer les choses, où on peut tenter. Et c'est pas sur des matchs, peut-être contre la Nouvelle-Zélande ou des matchs couperés, qu'on va aller tenter, on va peut-être plus se sécuriser. Donc sécurisons-nous sur des matchs comme ça. Tentons et après ils vont peaufiner les petits détails. Je suis en accord avec ça et le chat est globalement en accord avec ça sur le côté le projet de jeu était plus fort ce que tu disais et il y a aussi un autre élément, c'est l'adversaire, c'est qu'à un moment donné ouais, il y a je crois
qu'il y a eu beaucoup trop de gens qui minimisent le niveau écossais. Peut-être aussi. L'Écosse est une très belle équipe, 5e au rang mondial. Je sais que pour certains, le rang mondial, ils s'en foutent. Moi, je trouve que c'est très important. Et on a une très belle équipe d'Écosse la semaine dernière. On a de nouveau une très belle équipe d'Écosse qui retrouve notamment son talonneur remplaçant. Il retrouve également son capitaine avec Richie. Il y a du monde en face. Il y a vraiment du monde en face. Et c'est une superbe opposition. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que dans le choix qui a été fait de l'équipe de France de jouer deux fois l'Écosse, qui ressemble entre guillemets un peu au style de jeu italien, un peu ça part des 22, ça relance beaucoup, mais c'est quand même un peu un pacte devant, c'est chiant dans les rucks. C'est solide, il y a le du mimétisme un peu. Solide. On travaille, je pense, déjà les poules, etc. Et après, Fidji et Australie pour un peu les blacks et les nations un peu du sud, tu vois, l'épaisseur physique. Est-ce que tu crois que c'est... Bon, je pense que c'est réfléchi, mais est-ce que tu es d'accord avec moi sur ce point-là? Ah, mais complètement. Pour avoir côtoyé, un peu discuter, pour échanger avec le staff, rien n'est laissé au hasard dans l'équipe de France. Rien n'est laissé au hasard. Que ce soit les matchs de préparation, les stages, tout, ils ont calculé au détail près pour arriver le plus performant possible le 8 septembre et même plus tard. Ils ont un temps d'avance sur beaucoup de monde, sur pas mal de nations. Et faire un match aller-retour contre l'Écosse, ils l'avaient prévu. Voilà, pour reprendre les matchs de 6 nations, on voit l'Écosse, ils relançaient de leur 22, ils jouent après contact. C'est une équipe vraiment chiante à jouer. Elles tiennent le ballon énormément. C'est ce qui nous a énormément embêté le week-end dernier. C'est qu'ils ont, en deuxième mi-temps, il y a eu un vrai switch. C'est-à-dire qu'on a mis, je trouve, le 22-0 qu'on prend sur le dos physique. Pour moi, c'est surtout aussi dans le choix de jeu, changement de jeu des Écossais qui ont décidé de remonter tous les ballons et de ne plus mettre de coups de pied d'occupation, d'utiliser uniquement des coups de pied de pression, donc des coups de pied beaucoup plus courts où ils seront à la retombée, et ils nous ont mis vraiment à mal là-dessus et on n'a pas réussi à récupérer nos ballons. Et je pense que c'est des éléments hyper intéressants dans la prépa pour bosser pour l'équipe de France, tu vois. Oui, et puis rappelons aussi que l'Écosse avait déjà un match avant de préparation jouée. C'est ça, alors que nous, c'était le premier, comme tu disais, c'est une équipe totalement nouvelle. Et puis en plus de ça, c'est le tout premier match. Donc c'est vrai que les automatismes, j'imagine que quand c'est un premier match comme ça, alors que la dernière fois que tu as joué, et encore que les autres, certains étaient finisseurs, mais quand tu joues que 6 mois avant, c'est compliqué de, dès le premier match, arriver à se retrouver en automatisme. Oui, c'est ça. Et puis... je pense qu'on a un peu la fougue d'avoir envie, d'avoir trop envie même. On attend que ça. Et je pense que les joueurs, ils avaient envie. Ça se voyait sur le terrain. Et c'est de bon augure. On voyait des joueurs qui mouillaient le maillot. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu une équipe comme ça. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on voit une équipe de France qui est solide, qui joue au ballon, voir le jeu, le rugby qu'on aime. Ça faisait un moment qu'on n'a pas vu. Et je pense que là, ils sont en train de peaufiner les petits détails, les petits questionnements qu'ils ont dans leur tête. Ils sont en train de les régler, que ce soit sur des joueurs surtout. Donc moi, je ne fais pas du tout de soucis pour le staff et pour l'équipe de France. Hein. Bon, on va quand même jouer au jeu du prono. Petit prono aujourd'hui. Ah, j'ai pas pronostiqué. Je mise la France. Après, malheureusement, j'ai pas regardé la composition de l'Écosse. On m'a dit que c'était la même. Dis-toi, c'est la même pratiquement. Ouais, c'est globalement, c'est solide. Faut que je dise le score aussi. S'il te plaît. faut se mouiller un minimum. Ah oui, je vais me mouiller. Je vais dire. Ouais, je pense que ça va jouer. Les Français vont jouer. 30 à. 30 à 16. Ah ok. On note. On n'est pas loin. Je suis pas loin d'avoir le même avis. Toi, t'es sur quoi, toi, à peu près? Je me réserve. Moi, c'est 58 à 0 et on leur roule dessus. Mesure, de toute façon. Ça va aller dans les vestiaires, on va aller faire le. On leur roule dessus, maman, ça va les conneries. C'est comme ça qu'on dit, hein. Ouais. C'est comme ça que tu galvanises. Okay. Ouais, bien sûr. Ça a jamais marché, moi. Hein. Avant de te laisser vaquer à tes occupations de type petit four invitation. Je vois que vous en avez aussi sur le bord du terrain. Alors, non, là, pardon, ce là, c'est pas les mêmes. C'est pas moi, hein. C'est pas moi qui ai eu ça. Hein. Je tiens à te dire, c'est une collègue là qui apparemment qui grignote. Qui, 1h30 d'émission quand même, rendez-vous compte, je sais pas vous, mais alors. Je manque de sucre. Il me faut mon petit goûter, on est clairement à l'heure du goûter en plus. Je remercie Christian Califano parce que c'est grâce à lui. C'est vrai que c'est lui qui l'a. C'est grâce à lui. Tu vois, il te tape la main sur l'épaule. Moi, il a compris que c'était. On prend les gâteaux. Voilà. Sympa, Cali. La petite douceur. C'est les restes. Non, mais je rigole. C'est moche. Non, mais alors, en gros, je veux revenir sur un dernier truc avec toi.
il y a eu une modification des règles, et avoir ton avis en tant que joueuse internationale, c'est, moi je trouve ça hyper important. Il y a eu deux grosses modifs. Le bunker, qui est donc une modification, si vous découvrez, si vous avez raté le match, en plus on a eu un exemple lors du Écosse-France, le bunker est donc une possibilité à l'arbitre, pour l'arbitre, de ne pas expulser en mettant un rouge directement, mais en mettant un jaune à un joueur pendant les 10 minutes où il est sur le bord du terrain. Il y a un autre TMO qui est chargé d'analyser l'action pour savoir si la couleur reste jaune ou bascule au rouge et donc génère une expulsion définitive du joueur. C'est ce qui s'est passé du coup sur Xander Fagerson. Ouais, 51e minute. Waouh. Comme ça de tête ou tu es allé chercher ton cahier? Non, parce que je suis allé chercher mon cahier, mais je n'ai pas réussi à ouvrir la bonne page. Mais j'ai une mémoire graphique et je me souviens qu'il y avait un 51. Bien joué. Et je crois que c'est là. Bien joué, bien joué. On note la touche anisée quand même, hein, chez Inès. Coup, hein. Qu'est-ce que c'est? La quoi? Non, bah, bref. La touche anisée, ok, je l'ai. Je l'ai. Qu'est-ce que t'en penses déjà de cette règle? Parce que l'objectif de cette règle, c'est de gagner du temps. C'est de gagner du temps qu'on ne passe pas une heure sur un terrain à regarder 400 fois dans le stade les vidéos, parce que maintenant on veut voir le contact exactement, etc. Complètement. C'est vrai qu'il y a des arbitres, des fois, limite ils abusaient un peu de la vidéo, de faire appel, et ça a haché beaucoup le jeu. C'est vrai que ça coupe le jeu quand on est dans un bon rythme pour une équipe ou pour une autre. C'est vrai que quand il y a beaucoup de temps de latence, on se dit bon, on prend la décision, quoi. Et ouais. Je trouve que voilà, ça supplie un peu le rôle de l'arbitre, ça soulage un peu, je pense, dans sa prise de décision, qu'il y a ceux qui derrière sur la TMO, ils peuvent vraiment voir au ralenti, pas passer des heures et des heures sur le terrain. Et c'est vrai que là-dessus, je pense que ça va donner un peu plus de rythme au match. Après, il y en a qui disent que du coup, bah, ça déresponsabilise les arbitres et que du coup, ils vont mettre du jaune, ils vont plus se prendre la tête. Non, je pense pas. Après, il faut se mettre aussi à la place de l'arbitre. Il y a beaucoup de... On est un sport où il y a énormément de règles, il y a énormément de tâches dans une action. Il faut qu'il regarde le porteur, le soutien, là, est-ce que ça a été bon. Enfin, pour moi, c'est vraiment, il ne faut pas le voir comme ça, c'est vraiment l'épauler, le soutenir au maximum. Parce que d'être arbitre, c'est vrai que des fois, on râle énormément sur l'arbitre, mais il faut se mettre aussi à la place de l'arbitrage, qu'il doit prendre en compte énormément de situations dans une seule situation. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment... Ça peut être bénéfique pour le rugby sur les termes de ne pas passer éternellement de temps sur le terrain. Et au moins, voilà, je pense que la TMO, ils vont vraiment avoir un rôle important là-dessus et de prendre aussi la bonne décision. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, on voyait des arbitres qui mettaient un rouge et ils passaient en commission. Ça a été revu. Donc au moins, la décision va être prise, je pense, à bon escient. Et il y a une autre modification de règle qui est le shot clock dont on parle peu, parce que pour ceux qui suivent le top 14, finalement c'est pas si innovant que ça. C'est que maintenant quand on tape une transformation, on a 90 secondes, et vraiment 90 secondes pour taper, une pénalité 60 secondes. Mais ça implique également le shot clock, c'est une règle qui veut accélérer le jeu, et donc maintenant il faut se placer en touche et en mêlée aussi rapidement. Ça on l'a pas vu, mais je sais que pendant le Rugby Championship, il y a, je crois, les Argentins ont subi ça, c'est-à-dire qu'ils mettent une plombe à se placer en mêlée, ils discutent avant. En touche, et il y a eu bras cassés pour les Néo-Zélandais. Oui, exact. Et ça peut nous arriver parce contre l'Australie d'ailleurs, ils discutaient, ils voulaient faire passer le chrono, et d'ailleurs c'était Reynal, il me semble. Ouais, voilà. Et il a mis pénalité ou bras cassés. Ouais, bras cassés. Voilà. Et je crois que les Blacks ils gagnent le match parce qu'ils marquent là-dessus. Et c'est vrai que après, j'ai envie de dire oui et non. Pour le public, oui, on veut voir du jeu, on veut. On veut que ça joue, on veut pas avoir de temps mort, mais la prépa physique, ils ont intérêt maintenant de s'aligner, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas un moment de réflexion. C'est vrai que des fois on prenait ces moments de réflexion, discuter avec le capitaine, qu'est-ce qu'on fait. C'est pas que pour récupérer physiquement. Ah non, aussi, pas du tout, non, c'est des discussions. Il reste 2 minutes, on gagne, qu'est-ce qu'on fait, on va en touche, on joue à la main. Voilà, c'est aussi de la tactique qui était instaurée sur ces temps-là. Donc après, c'est sûr, je pense qu'il y en a qui en a abusé, mais à voir ce que ça donne. Les Anglais un peu. Je vois pas de quoi tu veux parler. Non, je dis rien, moi. Donc à voir ce que ça peut donner, mais c'est vrai que ça va peut-être, tactiquement, il faudra élaborer une autre stratégie, d'être plus efficace, mais
Quand on a fait 2 minutes de temps de jeu, enchaîner les tâches, quand on est un peu dans le rouge, quand on est un peu en surchauffe, je pense qu'on n'a pas les idées bien au clair. Ça serait bien aussi d'avoir des retours au niveau des joueurs là-dessus et qu'on puisse collaborer aussi ensemble, la commission et les joueurs aussi, pour qu'on instaure les bonnes règles pour que le jeu soit encore plus vivant. Hein. Bah, je suis d'accord avec toi, je vérifie le chat. Est-ce que vous nous captez? Parce qu'il paraît qu'il y a une petite coupure de faisceau. Apparemment, quand on parlait des Anglais, comme de par hasard. Apparemment, est-ce que vous êtes toujours là, le chat? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on vous a récupéré? Est-ce que vous êtes avec nous à Saint-Etienne? Est-ce que vous êtes là, Saint-Etienne? Est-ce que je peux me permettre de rajouter juste sur le... C'est ton émission. Sur le bunker. C'est notre émission, mec. On travaille. La semaine prochaine, on travaille, promis. Mais sur le bunker, juste pour vous dire, parce que là, on en parle. Donc, ça a été testé la première fois, donc sur le Super Rugby. Ça a été testé à la Coupe du Monde des moins de 20. En tout cas, enfin, c'est pas officiel encore que ça sera mis en place sur la Coupe du Monde. L'officialisation définitive, c'est le 28 août. On est d'accord qu'on est parti sur des tendances où ça devrait quand être. Quand même, ils le testent voilà. Au bout d'un moment. Ça fait depuis 2019, d'ailleurs. Ils essayent de le tester. Mais l'idée, voilà, c'est quand même de dire que potentiellement, c'est pas encore définitif et acté. Et voilà, moi, c'était un petit peu la dernière chose que je voulais vous dire. Si, une chose, parce que c'est quand même très important, comment sont mis au courant l'arbitre de champ et le staff? C'est TF1 qui appelle direct. C'est tout à fait ça. C'est mon chef, Martin Sarra, qui appelle exactement. Pas du tout, c'est par oreillette. Donc le staff est prévenu également par oreillette. Et les spectateurs, comme vous, téléspectateurs, vous le verrez, c'est tout simple. Moi, ça m'avait étonné sur la Coupe du Monde moins de 20, parce que d'ailleurs, les Français avaient pris un carton jaune qui est passé au rouge. C'est juste que vous allez voir votre petit carton jaune passer au rouge. Alors, là, c'était un peu mieux fait quand même. Oui, très clairement. Là, l'arbitre appelle les deux et oui, il monte le rouge. Donc c'est quand même... Et d'ailleurs, tu peux montrer le signe Alors, quand il y a bunker. Voilà, ça c'est quand il y a bunker. Au-dessus de la tête. Pensez piéger ou quoi? Non, pas du tout, je voulais voir si t'allais. Non, je voulais voir si t'allais le faire en mode Johnny Hallyday, mourir d'amour enchaîné ou pas. Mourir d'amour enchaîné. Jamais de piège, jamais. Okay, je savais que t'étais rédit dessus. Non, promis. Donc voilà, c'est juste pour vous familiariser aussi un petit peu avec ces gestes-là et comment ça va se passer. Et en effet, sur la Coupe du Monde des moins de 20, c'était un peu moins précis parce que c'était une phase de test. Alors que là, on l'a très clairement compris, comme tu l'as dit, il a appelé des joueurs pour expliquer que le jeune passait au rouge. Et ils ont 8 minutes, les arbitres qui sont dans le bunker, pour changer la couleur. Dernière chose, vous savez où est-ce que sera le bunker? Attends, parce que là, dernière chose, est-ce que ça fonctionne la régie? Ah non. Non, parce ça capte plus. Il y a quelqu'un qui a marché sur le câble. Il faut est-ce dire que le stade se remplit énormément quand même. Ouais. C'est-à-dire que le wifi, on est en train de le partager avec beaucoup de personnes. Est-ce que tout le monde pourrait faire en mode avion? On parle que nous trois en fait. Il y a eu des coupures apparemment. C'est bon, nickel, petite pause goûter faite. Petite pause goûter, on voit les images des joueurs tout à l'heure hein, quand ils sont arrivés, puisque je vais pas vous mentir, si on revient sur un plan large, vous allez vite voir que les joueurs en fait sont déjà derrière nous avec Romain Tamac qui s'échauffe dans une position où il étire le grand. C'est lequel Psoas, celui-là là? Le Psoas. Je crois que t'as c'est raison. C'est ça, hein. Oui, Psoas. Le Psoas là, gros étirement de Psoas. Je sais pas si on peut revenir sur le large. Non, vous avez pas envie? Alors, vous le dites la régie si vraiment vous voulez pas. Oui, il s'endort, je pense. Ah voilà, ça revient. Regardez-moi ça comme ça s'étire derrière. Regardez-moi ça comme ça s'étire. Est-ce qu'on le voit bien l'étirement? Est-ce qu'il faut pas que je me pousse? Est-ce qu'il faut pas que je me décale? Alors, on le voit bien ou pas? Peut-être sur le. Oh là là. Oh regardez. Oh filmez quand même Romain. C'est un bon moment, il est juste là. Oh, c'est dur ce qu'il fait là. Faut dire qu'on fait la même chose nous aussi tous les matins. Là, il vient de faire un petit peu. Tu fais la même chose tous les matins, toi, non? Ouais, alors oui. Moi, tous les matins, j'essaie de faire quelques ponts, c'est vrai. Merci de le voir. Merci de le remarquer, en tout cas. Mais c'est grâce à ces super t-shirts de France Rugby à acheter sur la boutique. Le message est passé. En tout cas, bon, on a attendu de revenir quand même pour te remercier, Jessie. C'est la moindre des choses. On n'avait pas te laisser. Quand même, avec plaisir, merci. Merci à toi. Merci pour ce bon moment. On te retrouvera certainement à Saint-Etienne pendant la Coupe du Monde aussi. Exactement, oui. Oui, je serai sur les matchs de Saint-Etienne. Peut-être à Paris. Ça dépendra de mon emploi du temps, mais je vais essayer d'être au maximum sur la Coupe du Monde pour échanger. Et j'ai quelques sollicitations. J'espère qu'on se recroisera. Bon programme de retraité, quoi. Un bon programme de retraité. Ça s'arrête jamais, quoi. Là, je pense aux copines qui étaient en stage dans l'équipe de France,
qui sont en stage la semaine prochaine. Ouais, ça part et sur je les envie truc, pas. Pas du tout. Et vu le planning que j'ai septembre-octobre, je les envie pas non plus. En tout cas, ouais, vraiment merci. Et puis bonne continuation pour toi, que ce soit à la fin. Ben, merci. Puis, pour dans prochainement ta vie d'entraîneur. Exactement, peut-être, pourquoi pas. Regarde, regarde les petits cœurs et tout, là, c'est mignons. Pour toi, ça. Merci, regarde merci beaucoup ça. Pour allez. Vos messages. Voilà, c'est bon, ça. Faut mettre des... Regarde, ils mettent des cœurs, regarde, globalement. Globalement, c'est une forme d'amour comme partout, oui, hein, mais... très clairement. Remplissez-moi ce chat de cœur, bordel, hein. Ah voilà, ben. Voilà, c'est bon. Merci pour tous vos messages, c'est gentil. Et au plaisir de se retrouver, tout le monde. Merci beaucoup, Jessie. Merci. Merci, Jessie, merci beaucoup. Nous, on va vous laisser avec 5 questions qu'on a posées à un mec qui va fêter sa 80e. Mais qui c'est? Quel ficou. Ah, le lancement était presque bien. Alors, faut... C'était presque un bon lancement, les gars, on peut peut-être envoyer. Bon, on a hâte de pouvoir jouer demain parce que ça fait un moment qu'on se prépare. C'est vrai que bah, c'est pas une partie de plaisir. La préparation, c'est beaucoup de souffrance, etc. Donc là, on rechasse les crampons pour rentrer sur le terrain. C'est ce qu'on adore, donc on a hâte d'y être. Oh non, non, mais c'est vrai que ça fait un petit moment. Je suis très heureux de pouvoir fêter ma 80e demain. Donc j'ai hâte d'y être. On essaie de te viser. Ah, on essaie de me viser. Je sais pas, j'espère qu'il m'en reste encore pas mal parce que j'ai que 29 ans. Donc je vais essayer d'aller le plus loin possible. En tout cas, déjà qu'on fasse un grand match demain et puis après on verra. Franchement, ils sont tellement pros qu'il n'y a pas trop besoin de les aider. Après, bien sûr, si je peux leur donner 2-3 conseils, 2-3 trucs qui m'ont servi auparavant, je leur donne avec grand plaisir. Ils sont tellement forts et tellement pros qu'ils n'ont pas besoin de moi, honnêtement. J'ai toujours marqué plus que d'autres forcément, mais dans l'ensemble, je me souviens de tout. Mon premier essai en équipe de France contre l'Angleterre, qui on gagne à la fin, c'est assez incroyable, le grand chelem, et j'irai la moderne. Ouais, c'est un super joueur, on s'affronte depuis pas mal d'années maintenant. C'est un joueur très, très explosif, très bon défenseur, très bon joueur. Donc de toute façon, à ce niveau-là, il n'y a que des grands joueurs, donc il faut se préparer en conséquence. Ce qui fait plaisir, c'est que c'est pas forcément une terre de rugby, même s'il y a beaucoup de rugbyman à Lyon, etc. et dans les alentours. Et c'est plutôt un stade de foot, mais je suis sûr que demain il sera plein et qu'ils vont nous pousser à fond. Merci Gaël, à très vite, bon match. Gaël Ficou qui va donc fêter sa 80e sélection. Rien ça. Il égale donc Thierry Dussautoir et il a en ligne de mire, si je ne m'abuse, Emmanuel Arinor de qui a 82 sélections. Totalement. C'est quand même pas mal. Ouais. Alors attends, non. Alors Emmanuel Arinor de qui et qui d'autre? Pour gagner une écharpe, Emmanuel Arinor de qui et qui d'autre a 82 sélections, messieurs dames. À vous de répondre. À vous de répondre dans le chat, vous avez une écharpe. Je donne pas plus d'infos. Bon bah non, attends, 82 sélections en équipe de France, il n'y a pas 15 000 personnes. Là, je vois, c'est... ça m'envoie. On rappelle que le numéro 1, c'est Fabien Pelousse, hein, 118 sélections. Deuxième, Philippe Sélas, 111 sélections. Et qui complète le podium, le manager de l'équipe de France, Raphaël Ibanez, avec 98 sélections. Et alors, qui est l'autre joueur à avoir 82 sélections? Tu l'as ou pas? Oui, je l'ai. Bah, je veux bien que tu le donnes, parce que moi, je l'ai plus. Je le donne? Okay. Attends. Est-ce qu'il est trouvé dans le chat? Alors, ma tablette ne marche plus. On me dit Chaussion. Non. On me dit du sautoir dans ses 4 ans. Picamol. Eh oui, c'est lui. Tout à fait. C'est oui. Lui, c'est bon, je me rappelle, c'est lui. Oui. Ok, Picamol, c'est gagné, une écharpe. France Rugby va récupérer ton pseudo et va t'envoyer une écharpe France-Écosse Collector à Saint-Etienne, chez toi, ce qui fait plutôt plaisir. Restez connectés, il y aura gagné 2 places pour France-Australie au Stade de France, le dernier match de préparation, la dernière marche avant cette Coupe du Monde qu'on attend tous. Et ce 15 de France qui doit monter en puissance. Et donc ça doit être vraiment un dernier récital avant le match d'ouverture contre les All Blacks. Donc 2 places à gagner France-Australie le 27 août au Stade de France. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et il reste des places, hein, si vous voulez, vous allez sur la billetterie. Le match, 16h45. Exactement, c'est en après-midi. Oui, tout à fait. Et il sera diffusé sur quelle chaîne, par exemple? Sur TF1. Mais non. Mais si. Et par exemple, genre France-Fidji la semaine prochaine? TF1. Waouh. Et la Coupe du Monde, globalement? TF1. Waouh. Et toi, tu bosses pour?
la TF1. Pas mal, bravo. Et d'ailleurs, sur le match France-Australie, on aura un avant-match, et non pas un après-match comme on a sur ce match-là et le match contre les Fidji. Avec TF1, on sera là avant le match, qui est à 17h45. Nous, on sera là à 17h10. Voilà. Attends. Qu'est-ce que tu viens de dire là ? Vous serez là juste après le match ? Aujourd'hui, oui. Restez, hein, parce qu'il y a des images exclusives, des images. Des images exclusives. Ah, moi, j'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas. Non, je te jure, j'ai pas compris. Je suis un peu con. En après, alors très simplement, le match se termine. On part directement sur des questions. On est quel jour là dans ce que tu viens de dire ? On est aujourd'hui. Ok, aujourd'hui. On est très clairement aujourd'hui. Le match se termine. Ok. Une première réaction d'un joueur. Ensuite, yes. Cube. C'est contractuel, c'est ouais, comme ça. Ouais, ça voilà. Basse ce moment. Et ensuite, qui c'est que vous retrouvez ? Isabelle Iturburu, qui vous accueille dans le mag d'après-match. Okay. Elle discutera avec Christian Califano. Ils auront normalement Fabien Galtier avec eux, un autre joueur en plateau. Et puis, moi, je continuerai à faire les ITV réactions de joueurs tout au long de l'émission. Et donc, du coup, ça change pour le dernier match ? C'est ça, pour le dernier match, on est là, hein, avant-match. Et donc, nous, on est où ? Et nous, on est juste avant. Nous, on est l'avant-avant-match. Ah ouais, d'accord. Non, parce que j'étais en train de me dire que nous, on était où ? Non. Ni. Non, mais c'est ça. Excusez-moi, c'était pas. Non, mais voilà. On avait besoin de savoir. On va revenir. Ah. Alors, les copains, j'ai une information très importante. Au niveau du TOS, l'équipe de France a choisi le terrain. Voilà, on a choisi le terrain. Apparemment, on va jouer sur ce terrain-là. Voilà. Ok, l'Écosse donnera le coup d'envoi de la gauche vers la droite. Tu sais que ça, c'est mon taf, normalement. Débrouillez-vous avec cette info. Ah ouais ? Ah. Oui, ça fait partie du travail de bord terrain. Tu donnes le TOS, c'est important. C'est des infos. Débrouillez-vous avec cette information. Voilà. voilà, l'Écosse donnera le coup d'envoi. Non, en vrai, c'est intéressant parce que quand tu reçois le coup d'envoi, techniquement, en fait, l'équipe qui donne le coup d'envoi, c'est l'équipe qui aura la première balle de possession, puisque normalement tu reçois un ballon, tu te dégages, sauf quand tu es écossais et que tu relances, mais globalement normalement tu dois rendre le ballon d'une manière ou d'une autre, donc tu es censé avoir un premier ballon d'attaque, donc la France devra avoir un premier ballon d'attaque. Et l'importance du terrain aussi, ça va dépendre du vent là, d'ailleurs on le voit, tu vois, il y a quand même un peu de vent, c'est pas non plus énorme, ouais, mais il y a quand même du vent, donc ça peut avoir une incidence aussi sur le choix du terrain et non pas de choisir sur le soleil aussi, mais bon là il est 21h donc ouais, ça va. C'est ça. Non mais c'est vrai, il y a plein de choix intéressants là-dessus, donc c'est assez important. Du coup, Ficou, on va basculer sur la compo, pour ceux qui viennent d'arriver, peut-être que vous venez de nous retrouver. En attendant le 15, c'est une émission que propose la Fédération Française de Rugby sur sa chaîne Twitch, n'hésitez pas à follow la chaîne bien sûr, le petit cœur en bas, ça coûte rien, comme ça vous êtes au courant de toutes les émissions comme En attendant le 15 ou alors les conférences de presse, voilà ça se passe ici maintenant, il y a beaucoup de choses de fait par la Fédé, franchement c'est de plus en plus proche des gens je trouve et c'est vraiment très très cool. Donc on revient sur la composition de cette équipe et peut-être en sortir quelques duels, ouais. Tu me dis ce que t'en penses. Moi j'ai donné un duel Aldeguerri-Schaumann, ouais. L'ami Aldeguerri, on sait qu'Atonio est sur le banc, on sait qu'Atonio est techniquement le numéro 1. Ouais. C'est ça. Bamba s'est blessé. Ouais. Il a été. Grave que ce qui a été dit. Mais il est blessé. Il est blessé, ouais. Et donc c'est à Aldeguerri de jouer. Aldeguerri joue quand même assez gros ce soir, quoi qu'on en pense, ouais. Face à un pilier qui est vraiment monstre de pilier, Schaumann. C'est vraiment un démolisseur et il nous a fait très mal aussi en mêlée la semaine dernière. Est-ce que tu trouves ce duel intéressant pour toi ? Est-ce que le chat, vous trouvez que ce duel est intéressant pour vous ? Moi, je pense que c'est un des duels que je vais regarder. Alors, je le mets en duel parce qu'ils vont jouer là en face de l'autre. Bah oui, en mêlée. Ouais, bah c'est intéressant parce que, comme tu disais, Aldeguerri, il a de quoi jouer parce que si on regarde un point de vue totalement chiffre, Dorian, ça sera sa 10e sélection hein, ce soir quand il va rentrer sur le terrain. Schaumann, lui, est sa 22e sélection. Plus d'expérience, ouais. Un peu plus d'expérience, surtout que Pierre Schaumann, vraiment. Du moment où il est rentré vraiment en début, il fait ses débuts en 2021, il fait partie de ces hommes qui ont été alignés et réalignés sur la composition de l'Écosse. Donc il a une certaine, comme tu disais, stabilité. Ouais, il a une vraie longévité, c'est le titulaire en puissance. Ouais. D'ailleurs, le tournoi dernier, hein, il fait les 5 matchs en tant que titulaire. Enfin, vraiment, c'est un super joueur. Exactement, il est instauré. Et puis, super joueur qui peut nous faire penser aussi à Cyril Bail, il est assez complet. On va dire à la fois en mêlée fermée où vraiment il a son gabarit, je sais pas, enfin j'imagine que vous le connaissez, mais
voilà, il est hyper impressionnant physiquement, donc c'est-à-dire qu'il a de grosses capacités là-dessus. Il a aussi une belle capacité à se mouvoir. Il est assez mobile quand même, notamment ballon en main, d'où la référence un petit peu à Cyril Bailly. Donc il y a ce côté-là où lui est très très important aussi dans ce groupe. Dorian, il a énormément impressionné l'équipe de France sur ce dernier tournoi où il a joué qu'un seul match, c'était face aux Anglais. Il a fait une sacrée performance quand la France d'ailleurs a gagné à Twickenham 53-10 je crois. Donc en effet il a quelque chose aussi à prouver, même si on il sait a une place à aller chercher. Ça, exactement, surtout que Sipili Falita, lui on sait que Lui c'est censé être le finisseur. C'est ça. De Fabien Galthié. C'est ça, sur les donc 13 il manque matchs, le troisième en fait. C'est exactement ça. Et bon, après, même si certains aimeraient voir Sipili Falata aussi en concurrence, et je pense que dans la tête de Galthié, peut-être que c'est pas arrêté, je sais pas. Ce qui est arrêté, c'est que Winnie Antonio, s'il est disponible, il est numéro 1. Ouais. Là, on me demande, est-ce que tu sais, peut-être qu'on n'a pas la réponse, hein, mais est-ce que tu sais pourquoi Winnie Antonio, il est un peu préservé, il est mis sur le banc? Alors, on a pas de. Non, il n'y a pas d'info, entre guillemets, qui est spécifiquement donnée vis-à-vis d'Antonio. Moi, je me dirais qu'on est quand même toujours dans cette logique-là aussi de continuer à faire jouer certains joueurs qui ont un peu moins voir de temps joueurs. De jeu. C'est ça, pour pouvoir les voir. Puis là, ça veut dire que Dorian, on va pouvoir le voir aussi en contexte de titulaire, de joueur qui va vraiment commencer un match. Donc, c'est une autre approche aussi d'un joueur qui est finisseur, où il sait qu'il va devoir être un peu impact player et devoir apporter sur la fin de match, quoi. Dans les duels, on va les enchaîner. Je vais juste dire que moi, j'avais mis en duel le retour de Villiers. J'ai envie de voir Villiers-Van der Meer. Ouais. Physique un peu différent, style d'élite un peu différent. Même. Il y en a un qui est surtout sur des cadrages en plâtrage, qui est Van der Meer. Bonjour, je suis un frigo américain. Je vais aller tout droit et je vais vous défoncer. Je résume un peu, mais j'aime pas trop ce style d'ailier. Je préfère les ailiers bien voltants, qui cherchent l'évitement. Et quand en plus, tu rajoutes la petite case, j'allais dire chien de la case. Bah, c'est un peu... Mais, bon, c'est pas pardon, péjoratif, pardon, c'est la manière aussi dont il se décrit. De Gabin Villiers, voilà, il se décrit aussi un peu comme ça, un pitbull. Le style, l'opposition de style me plaît. Et je trouve qu'il y a un duel là-dedans. Oui, et puis en plus, il faut rappeler que Gabin, il a connu blessure sur blessure après le tournoi Destination remporté Grand Chelem par les Français. Donc il y a aussi cette notion-là, s'il est réaligné aussi ce soir, il y a le côté un peu devoir de mémoire de la part de Fabien Galthié. Et en effet, comme tu dis, c'est une opposition totalement de style. Tu le parlais rien que physiquement. Gabin, c'est 1m80, 93 kg. Et en face de lui, il a 1m93, 106 kg. C'est une opposition de style, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Faut reconnaître quand même à Van der Meer. Enfin, tu vois, c'est ce que je me notais. Il fait partie des meilleurs marqueurs de cette équipe-là. Il y en a aussi besoin de ces armes fatales. Tu sais que quand ils sont face à la ligne dans le but. S'ils traversent le terrain contre les Anglais, c'est toujours plaisant à regarder. Il n'y a pas de problème avec ça. En autre duel, j'ai mis Entamack Russell. Parce que on se demande pourquoi. Je sais pas, c'est 2-10, c'est 2-10 au style aussi différent. Mais complet c'est, aussi quoi, buteur. C'est 2-10 merveilleux, c'est 2-10 qui te donne envie de jouer au rugby. Moi je trouve que regarder Ntamack jouer, ça te donne envie de jouer au rugby. Regardez Russell, le plaisir qu'il a, même quand il fait des erreurs, etc. Le smile tout le temps. Ouais. Bah, c'est toujours un bonheur, c'est une bouffée d'oxygène. Moi je pense que ça peut peut-être se jouer aussi sur le côté mental. Romain, on l'a vu hein, sur la finale de Top 14, la manière dont il se remobilise dans le match après sa pénale touche ratée. Moi il m'a énormément impressionné sur ça parce que l'âge qu'il a, c'est quand même impressionnant d'arriver à revenir. Je pense que peut-être, comme tu disais, ce qui est intéressant aussi sur ça, c'est le côté mental entre les deux. Finn Russell, on sait que des fois il peut complètement partir en vrille. C'est clairement là les joueurs de l'équipe de France sont en train de s'entraîner et c'est ce que je notais, ils sont de manière individuelle, ils sont sur leur cellule, ils le font, on voit Marchand du coup faire des petits pas de côté pour traverser cette explosivité. Oh là les cuisseaux. Vraiment quand tu l'as à 3 mètres le bonhomme, tu te dis à la télé, franchement ça doit taper. Ouais mais quand tu vois les cuisseaux des mecs, oh là là, c'est des dauphins les mecs qu'ils ont à la place des cuisses, on déconne. Ah c'est impressionnant. On va bientôt conclure cette émission, mais c'est pas encore terminé les copains, on a eu quelques soucis, on profite d'avoir du réseau, je vous ai promis deux choses, de vous faire gagner des places pour le match France-Australie. Eh bien c'est à partir de maintenant, il faut me répondre le plus rapidement possible dans le chat à une question assez simple, qui est le dernier joueur français à avoir mis des points pour le 15 de France en Coupe du Monde. Bonne chance. Bon déjà vous avez le match, vous avez la Coupe du Monde déjà, Coupe du Monde 2019 au Japon, quart de finale, 20-19,
Deuxième mi-temps, on met pas de points. Première mi-temps, on met 3 essais. Et là, ça y va. Ah, je le vois. Je le vois, il y a 2 places qui vont partir. Alors, je ne sais pas si c'est lui. Je vais laisser France Rugby récupérer, mais je le vois. Romain Ntamack transforme l'essai de Vakatawa. Et donc, c'est Romain Ntamack, le dernier Français à avoir mis des points en Coupe du Monde. Ça envoie 2 places directement. 2 places France-Australie. Bah. 2 places France-Australie. France Rugby, c'est bon, vous êtes dans le chat. Carbono, on me met. Galtier. Ouais, les gars, j'aime l'humour. Bien joué, Ntamack maintenant. Ah, maintenant ça me met Ntamack. Je sais pas si vous entendez. Saint-Etienne est en train de chauffer. Oh, Gaël. Gaël, on t'aime. Gaël. 80, c'est bon, hein. On rappelle que Grégory Aldrit, 40e ce soir. 40e ce soir. 40e, ouais. Antoine Dupont, 48. 48. Antoine Dupont, 48e. Et il y a un monde où la 50e, c'est contre la Nouvelle-Zélande en ouverture de Coupe du Monde. Ça pourrait, c'est ce qu'on s'est calculé, ça pourrait. Bon, maintenant tu sais pour conclure ce genre d'émission. Enfin, tu sais pas, je te le dis. Bah oui, c'est pour ça. Je te le dis. On a un maillot à faire gagner. Ouais. Est-ce que il maillot y a, de la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a France Rugby dans le chat? Le maillot de la Coupe du Monde. Je vous fais le sous-titre d'Emeric. Le maillot de la Coupe du Monde. Un maillot qui se porte bien. Un maillot qui sent bon. C'était hyper lent. Ouais, c'était hyper lent. Ce maillot-là, moi, on m'a dit, on va faire gagner un maillot de la Coupe du Monde. Ouais. Moi, je dis, c'est cool. Mais tu connais mon côté gratteur. Ouais. France Rugby, dans le chat. Il me semble qu'il y a un short blanc et des chaussettes rouges en plus. Enfin, je veux dire, on est en bleu, blanc, rouge. Tu veux une tenue complète, quoi. Moi, je veux une tenue complète. Eh oui. On en pense quoi, le chat? On veut une tenue complète ou pas? On veut gagner une tenue complète? C'est une tenue complète qu'on veut, c'est pas... Bon, le maillot, c'est déjà très bien. En vrai, c'est stylé. Très, très bien. Mais si tu peux avoir le short blanc, la beau gosse... Tu t'imagines, là. Là, je sens que tu te visualises quand même. Je vais pas te mentir que pour moi, vraiment, les tenues Coupe du Monde bleu, blanc, rouge, bah, c'est dans le cœur tout de suite, quoi. C'est du bleu blanc, on est d'accord, on veut ça, non? On veut ça. Quoi, bug? Ah non, c'est les... Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je veux bien être gentil, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je vais le faire gagner. Est-ce que vous êtes de retour? On travaille... Alors, on peut le dire. Est-ce que vous êtes là? Perso, je veux le slip. Ah, la tenue, oui, bien sûr. La complète. Dans le chat, la complète. Ouais, en vrai. Oui, bah, tant qu'à faire. Eh, qui peut le plus, peut le moins. Bon, là, en l'occurrence, qui peut le moins, peut le plus. La tenue incroyable. On est d'accord. Emeric fait vite sa saccade. Ok, je vais vous faire un qui suis-je. Il faut me trouver le joueur. On est d'accord, ça a été validé par France Rugby. Dépêchez-vous, on n'a plus de réseau. Je vais faire gagner la tenue complète, France Rugby. Le premier qui trouve mon qui suis-je, je fais un qui suis-je. Vous connaissez le qui suis-je, je suis machin, joueur de rugby, je fais 1m12, machin. Hein. Je vous donne plein d'affirmations. À vous de me donner vos propositions. Et le premier qui le trouve remporte la tenue complète de la Coupe du Monde du 15 de France. C'est bon? Oui, ok, l'image freeze, mais le son est bon, ça, c'est bon, apparemment c'est bon. Je suis en 20 FPS, mais vous avez le son. Est-ce que France Rugby peut me mettre un moment pour... mettez-moi 4-5 barres, comme ça je sais que c'est à partir de maintenant. Messieurs, là, mon démarre, le qui suis-je, tu peux jouer également. Je suis là. Tu peux jouer chez toi également. Ouais. C'est parti. Un indice ne s'affiche pas sous votre écran, puisqu'il n'y a rien qui s'affiche. On se dépêche. Je suis un joueur qui marque les cœurs et les esprits. Joueur de 15, j'ai aussi goûté un tout petit peu au 7. Je fais parler de moi très tôt. Dès ma deuxième saison en pro, je suis élu dans le 15 type de mon championnat. Je suis un joueur fidèle qui n'a connu que 2 clubs dans sa vie. Ok. Une idée? Ouais. Ok. Il faut que je la donne? Bah, si tu veux. Gabin? C'est pas Gabin Villiers. J'y ai laissé une trace indélébile en gagnant le championnat avec chacun de ces 2 clubs. J'ai même réalisé une année le doublé okay. Coupe d'Europe championnat. Je continue au niveau international.
on peut le dire, je suis un monsieur. J'ai joué 2 coupes du monde, 12 tournois du 6 nations et on m'a élu 2 fois homme du tournoi dans ma carrière. Ah mais c'est pas un joueur forcément qui joue là. Mais je vous ai dit que j'étais écossais. Oh non, je suis écossais. Néo-retraité, je ne participerai malheureusement pas à la Coupe du Monde oui. en France pour le plus grand désarroi des amateurs de relance et de mèches blondes et de whisky. Arrière légendaire du 15 du Chardon, je suis oui, je sûr. Suis je suis Stuart Haag. Ouais. Ça se manque en effet de pas le voir. Oh là là, on le voit. On le voit. Incroyable. T'aimes bien les pièges hein, par contre. Hein. Oh, on a fait des petits pièges. Attends, tu sais que je l'ai dit, je le vois pas. Je l'ai dit, je le vois pas. C'est fou. Je vois des penauds, Jaminet, du sautoir, oui, clair. T'as pas été précis. Je vois des. Ah là, c'est, je vois des hogs. Stuart fait partie également de mes joueurs préférés. Mais c'est assez logique. Je pense qu'il fait partie des joueurs préférés de pas mal de monde. Et c'est vrai en effet que ça fait un petit pincement au cœur de pas le voir aligné sur cette Coupe du Monde. Hein. Ouais. Je crois qu'on a mangé une déconnexion au pire des moments, un truc comme ça. Les copains, je suis désolé, moi vraiment on gère pas ça, vous doutez bien, on est au bord du terrain, on a autre chose à faire. J'espère que vous avez apprécié cette émission, j'espère que t'as kiffé Inès, moi j'ai bien aimé. Il y a eu plein de bons messages sur notre bilan. Ah. On va en faire un autre pour la semaine prochaine, c'est pas mal. C'est pas mal. Merci infiniment, on se retrouvera en avant-match, toujours 2 heures avant le coup d'envoi du prochain match France-Fidji à Nantes. On sera à la Beaujoire. Tout à fait. Tu seras. Ah bah forcément. Tu m'abandonnes pas. Non, tu m'y invites. Je t'y invite, avec plaisir. Ok, super, j'y suis. Avec plaisir. D'ici là, bah écoutez les gars, allez les Bleus bien sûr, allez la France. Merci à toutes les équipes techniques parce qu'avec la chaleur, ça a été compliqué. On peut vous le dire, il va faire lourd. Donc si vous voyez les joueurs un peu démarrer trop tambour battant, ça peut être difficile. C'est ça, ça commence un petit peu à s'atténuer hein, la chaleur, mais en effet c'est assez lourd, on va dire. Et en effet on remercie tout le monde, hein, que ce soit derrière les caméras ou à la régie. Merci à tout le monde en tout cas et puis merci à vous d'être restés. Et on te retrouve sur TF1. Tout à fait. Après le match. Tout à fait. Et moi, pour ma part, on se retrouve en viewing party sur ma chaîne Poney Club dans quelques instants. Le temps pour moi d'aller lancer ça et peut-être d'aller boire un petit verre d'eau. Merci infiniment, merci beaucoup. Vous êtes des amours de suivre le rugby et bravo à la Fédération Française de Rugby d'exister sur Twitch et d'aller aussi proche des gens et de transmettre plein de clés, plein d'infos, plein de news, des petites émissions comme ça qui font plaisir pour gonfler le cœur du petit rugbyman. Comment tu fais gonfler le cœur? 20 ans d'improvisation théâtrale. Très imaginé, je le vois là. Merci Inès, merci tout le monde. À la semaine prochaine. Ciao. Salut, les copains. Ciao, merci. Et allez les Bleus!